Il aimerait, il se mettra là. Laisse, laisse. Messieurs, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal pour lequel je vais procéder à l'appel des élus. Monsieur Catala présent, Monsieur Pellissolo présent, Madame Boulard présente, Monsieur Place, Madame Garrigou-Gaucheran, Monsieur Ellarar, qui est secrétaire de séance, il va nous rejoindre. Madame Simondec, Monsieur Maïs, Madame Sol, Monsieur Ducan, Madame Vorchin, Monsieur Urgin, Madame Torchman, Monsieur Pessac, Madame Vallier, Monsieur Mbumba, Madame Diallo, Monsieur Le Guillou, Madame Atnan, Monsieur Hélin, Madame Hachemi, Monsieur Dufeu, Monsieur Vanin, Madame Camara, Madame Després, pouvoir à Monsieur Dufeu, Madame Hénon, Madame Méligne, Madame Anamba Onana, Madame Salvia, Monsieur Sasportas, Monsieur Tessèdre, Madame Dias, pouvoir à Madame Sol, Monsieur Bro. Il est là, Monsieur Bro, je l'ai vu. Monsieur Ezor, Madame Criston, Monsieur Toledano, Madame Angle, Monsieur Boulumba, pouvoir à Monsieur Bro, Monsieur Tari, Madame Morvan, Madame Perrault, Madame Rupert, Monsieur Bien, Monsieur Henri, Madame Mattei, Madame Garcia, Madame Rabat, Monsieur Ebrech, Monsieur Bétouche, Madame Lo, Monsieur Ding, Madame Dupuis, Monsieur Kérisit. Le premier point à l'ordre du jour appelle, mes chers collègues, l'approbation du compte-rendu de la séance du 8 février. Est-ce qu'il y a des demandes de modification au compte-rendu ? Il n'y en a pas. Dont le procès-verbal de la séance du 8 février est adopté. Vous avez ensuite communication des décisions prises par votre serviteur entre le 1er février et le 5 avril. Est-ce qu'il y a des demandes d'information ou d'explication, Monsieur Ebrech? Oui, Monsieur le maire, une demande d'explication ou simplement d'information, d'ailleurs vous avez raison, sur la décision 113 et 114 portant sur les modifications de mission de maîtrise d'œuvre pour le stade de la Bête et de la maîtrise. Et dans les deux cas, c'est des décisions concernant ces deux postes-là. Et quand j'en ai pris connaissance, qu'est-ce qui a justifié qu'on change déjà de maître d'œuvre et qui, je pense que le marché était bien avancé. D'après ce que j'ai compris, dernière décision, la construction était même presque lancée d'ailleurs. Qu'est-ce qui a provoqué simplement ces modifications, simplement ça, ce changement d'architecte et de cabinet et cette augmentation de 260 000 à 375 000 euros, voilà. Il se trouve, M. Ebrech, que par rapport à l'estimatif, le premier appel d'offres a été infructueux. Non, nous avons été amenés à revoir le projet
Et comme le maître d'œuvre, contrairement à ce que vous dites, n'a pas changé, on a été amené à revoir ses honoraires. Alors, je comprends pas très bien. Dans le 113, vous dites que le présent acte modificatif porte sur le transfert des droits et obligations du marché de l'architecte François-Xavier Dacual et al. À la société Plux Architecte et Plux Design. Ah oui, c'est sa société. C'est le maître d'œuvre. Ah bon, c'est simplement... Ah oui. D'accord. L'architecte et le maître d'œuvre, en principe, c'est la même chose. Oui. On apprend tous les jours, hein. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'informations? S'il n'y en a pas, vous me donnez acte de la communication. Je salue notre secrétaire de séance qui nous rejoint. Le point suivant de l'ordre du jour, c'est la communication sur le rapport annuel concernant le développement durable. C'est M. Urgin. Oui, merci Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous le savez, le rapport sur la situation en matière de développement durable constitue chaque année l'occasion de présenter le bilan des actions de la ville et de ses partenaires en faveur de la transition écologique, économique et sociale de notre territoire. En effet, au cœur des préoccupations de nos concitoyens, les enjeux associés au développement durable font depuis de nombreuses années partie intégrante du projet de la municipalité, que ce soit dans la mise en œuvre au quotidien de ses politiques publiques que dans le déploiement de son projet urbain. Mix énergétique vertueux au sein du réseau de chauffage urbain, fleurissement de qualité grâce à des méthodes horticoles durables, incitation forte au tri des déchets, préservation de la biodiversité et gestion attentive des ressources, développement des circulations douces et lutte contre la précarité énergétique sont autant d'actions concrètes dans lesquelles nous sommes pleinement engagés. En 2020, malgré le contexte sanitaire que nous avons connu, à l'échelle du pays, notre ville a continué, avec volontarisme, à œuvrer en faveur du développement durable du territoire communal. Les réalisations en la matière sont donc nombreuses et vous les retrouvez détaillées précisément au sein du document qui vous a été remis. Aussi, je limiterai ma présentation aux projets les plus significatifs qui ont essaimé l'année écoulée. Je commencerai par remarquer que lutter contre le changement climatique, c'est d'abord s'engager dans des actions concrètes à l'échelle locale et mobiliser l'ensemble des acteurs. C'est cette dynamique que le plan climat de Grand Paris Sud-Est Avenir souhaite impulser. Adopté en 2019, véritable stratégie de transition écologique, économique et durable, ce document fédérateur concrétise l'ambition partagée des maires du territoire en faveur de la planète et vise, au travers de la mise en place de 50 actions volontaristes, dont j'observe que 80% ont déjà été engagées, à faire de notre territoire un moteur de l'exemplarité et de l'innovation environnementale. Protéger notre planète, c'est aussi investir dans la rénovation thermique, en menant depuis plusieurs années, vous le savez, un programme ambitieux de réhabilitation du patrimoine et des infrastructures, avec notamment en 2020 l'école du Jeu de Paume, la maison des arts et de la culture et la tour Mansart dans le quartier du Montaigu. Notre engagement et celui de nos partenaires, s'il s'inscrit dans le temps long, a des impacts directs dès aujourd'hui pour nos concitoyens, puisqu'il permet à la collectivité de limiter l'émission de gaz à effet de serre sur le territoire, mais également aux locataires cristalliens concernés de réduire leur consommation énergétique et de réaliser des économies substantielles sur leurs charges, notamment de chauffage. Si rénover notre patrimoine est un des axes forts de cette politique, il s'agit aussi de construire l'avenir en promouvant des solutions alternatives et durables en termes de recours à l'énergie. Avec le renforcement constant des performances du mix énergétique du réseau de chauffage urbain et l'engagement de travaux afin d'étendre ce réseau, nous proposons aux cristalliens l'accès à une énergie plus propre, plus respectueuse de l'environnement et à un meilleur prix compte tenu du taux de TVA réduit induit. Dans cette optique, en 2020, ont été menés des travaux pour créer un troisième tube de réseau raccordé à l'usine d'incinération de Val-aux-Marne et le projet de modernisation et d'extension de cet équipement a été autorisé après enquête publique par la préfecture, ce qui permettra à terme d'alimenter 51 000 équivalents logements
et de renforcer plus encore la part actuelle d'environ 64% d'énergie renouvelable présente au sein du réseau de chaleur. Notre ambition, c'est aussi, en lien avec Grand Paris Sud-Est Avenir, de développer des modes de déplacement plus durables et des circulations douces. L'année 2020, à ce titre, aura vu le réaménagement de l'itinéraire cyclable du boulevard Jean-Baptiste Oudry, la mise en fonction d'un nouveau service de recharge électrique pour les véhicules des particuliers, ce à un prix accessible, mais aussi la finalisation d'un plan local de mobilité et d'un plan vélo qui seront prochainement adoptés par le territoire. Nous le savons, chers collègues, l'engagement pour la transition écologique doit aussi être pleinement intégré dans la conception des grands projets urbains. Nous y veillerons pour la mutation prochaine du quartier de l'Échat, en lien avec la future gare du Grand Paris Express qui est en train de se dessiner, mais également pour le projet de rénovation urbaine du haut du Montmélis, qui désormais finalisé et entré dans sa phase opérationnelle, place la valorisation de la biodiversité avec la création d'une forêt urbaine de plus de 1000 arbres et l'excellence environnementale au cœur des futurs aménagements et équipements publics. Ce projet concourra donc à renforcer la place de la nature en ville, comme nous tâchons de le faire dans chaque quartier de la ville, en témoignent les aménagements de jardins familiaux sur l'île Brisepin et ceux qui seront prochainement réalisés au niveau de l'entrée de ville du pont de Créteil avec un projet 100% écologique et l'implantation d'une ferme pédagogique. Le développement durable passe aussi par l'alimentation et notre ambition se décline donc directement dans l'assiette puisque nous travaillons à accroître la part de l'agriculture biologique et des produits locaux dans les menus proposés aux enfants des crèches et des écoles, mais aussi à nos seniors, tout en réduisant le recours au plastique alimentaire pour la confection des repas. Enfin, le rapport 2020 qui vous a été remis met en lumière les moyens mobilisés en 2021 à hauteur de plus de 48 millions d'euros si on regroupe la ville, GPSEA et Créteil Habitat, 48 millions d'euros en faveur du développement durable, preuve s'il était de notre engagement et de l'intégration réelle de ces enjeux dans l'ensemble des politiques publiques au profit des cristoliennes et des cristoliens. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, notre politique en matière de développement durable, c'est l'écologie par la preuve. Elle se veut donc ambitieuse et globale, car l'écologie est aujourd'hui plus que jamais l'affaire de tous et ne saurait être la propriété d'aucun parti, d'aucune coterie. Ainsi, tout en transformant progressivement nos modes d'action et nos manières de vivre au profit d'un développement plus équilibré et respectueux des ressources, notre action veille aussi à sensibiliser sans aucune forme de moralisation, mais aussi à accompagner les mutations nécessaires de la société sans brusquer nos concitoyens. À l'opposé d'une écologie punitive, d'incantation et de rodomontade, dogmatique jusqu'à tangenter le totalitarisme et à s'en prendre à l'univers onirique des enfants, notre réponse à nous, c'est un projet fédérateur et humain. L'écologie par la preuve, c'est l'écologie par tous et pour tous, en vue d'offrir à notre population un avenir responsable et solidaire. Mes chers collègues, il vous est donc demandé de bien vouloir prendre acte et donner acte à Monsieur le maire de la communication de ce rapport sur la situation en matière de développement durable pour l'année 2020. Merci Monsieur Urgin. Si j'ai bien compris, tu n'es pas contre les rêves d'enfants pour les vols. Ah, parfaitement compris, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Ebrech. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais rejoindre en partie la dernière partie de notre éminent collègue Axel Urgin concernant une écologie non punitive, mais plutôt que chacun d'entre nous doit mettre en application. Moi, la question que je souhaiterais vous poser, c'est pour revenir sur ce qui a été vraiment un développement et cause de plusieurs soucis. C'est le plan vélo que vous voulez mettre en place. J'ai lu dans le rapport qu'il se ferait également en parallèle avec le département, sur des secteurs de Créteil et vers les îles de loisirs sûrement, et vers un plan plus global, peut-être plus général. Je voulais savoir à quel moment ça allait se coordonner, si ça se coordonnerait également avec le plan région vélo, R plus vélo, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, j'ai pu noter son nom. Et dernier point, ce qui était revenu à plusieurs fois à mes oreilles, je pense, monsieur le maire, vous avez été vous-même sollicité à ce sujet-là, c'est sur le problème de nos vélos à nous, de notre Cristolib, qui, ne pouvant s'attacher à d'autres circuits de vélo, ne peut que rester en circuit fermé sur Créteil. Et à un moment donné où je pense que beaucoup de nos concitoyens souhaitent utiliser le vélo, souhaitent les déposer peut-être même vers la station RER, à la limite de Créteil, en allant sur Carrefour-Pompadour, ainsi de suite, comment peuvent-ils utiliser les vélos? Est-ce que nous allons revoir notre stratégie location vélo, de façon à la rendre plus attractive, avec peut-être plus de personnes dessus,
envisager peut-être de reprendre des vélos, même avec des moteurs, enfin avec assistance électrique. Ce genre de problème, je pense, peut être évoqué à l'occasion de ce rapport et dans un développement, je dirais, plus global de la région, du département et de notre ville, de façon à faire quelque chose de coordonné et qu'on ne se retrouve pas, comme on a eu à ce moment, avec ces coronapistes qui ont provoqué justement ce que déclare M. Urgin, un problème entre les voitures, les utilisateurs de vélos, enfin voilà. C'est un peu cette vision-là que j'aimerais avoir avec vous ce soir, ou d'en parler plus tard dans l'élaboration de ce plan vélo. Il est clair que pour ce qui concerne le plan vélo, il faut travailler avec d'autres partenaires, car l'espace public n'est pas exclusivement communal, et notamment avec le département. Il se trouve, à ma connaissance, qu'il y a un projet qui est à la fois régional et départemental, qui prévoit la réalisation d'une piste cyclable du carrefour Pompadour, qui est un foncier départemental, voire d'État, sur certaines parcelles, jusqu'à la base de loisirs. Il est clair que ce projet recevra l'adhésion de la commune. Encore faut-il que nous en discutions les modalités. Le deuxième projet est porté par le département sur la Nationale 19, dans la partie église de Créteil vers Bonneuil. Le département a déposé un dossier auprès de la région, je crois, pour être subventionné. Ce dossier a reçu l'accord de nos services techniques. Pour le moment, il est en voie d'instruction. Et ensuite, il y aura forcément un certain nombre de réalisations qui seront réalisées dans le cadre de Grand Paris Sud-Est Avenir, puisqu'il s'agit là, pour les circulations douces, d'une compétence de territoire Grand Paris Sud-Est Avenir. Voilà, je crois avoir répondu à vos questions. Reste Vélolib. Vélolib, Cristolib plutôt. On est en contrat avec Jean-Claude Decaux jusqu'en 2022-2023, puisque le réseau Cristolib était adossé au contrat de publicité de Jean-Claude Decaux, de la société. Donc jusqu'en 2023, on est lié à la société Decaux. Au-delà de 2003, on peut rentrer dans le dispositif régional, c'est-à-dire porté notamment par la ville de Paris, mais également par d'autres agglomérations. Ça suppose une négociation d'un nouveau contrat avec les porteurs de ce projet-là. C'est vrai que l'inconvénient de Cristolib, c'est un réseau intramuros, puisqu'à l'époque, il n'était pas possible, si on n'était pas limitrophe à Paris, de se connecter à Vélolib. Ce n'est pas forcément un inconvénient quand on sait comment a terminé Vélolib. Maintenant, le nouveau système parisien, semble-t-il, est performant. Au-delà de 2023, on doit pouvoir renégocier un réseau vélo qui sera plus large que les frontières cristoliennes, que les limites communales. C'est 2023, non ? Juste profiter de l'occasion, puisqu'on parle de la ville de Paris, j'ai vu sur les budgets que nous avions toujours payé une redevance à Autolib, puisque le projet pourtant est arrêté depuis 2 ans maintenant, et que nous continuons à devoir une redevance, enfin payer quelque chose toujours à Autolib pour se dégager du contrat. C'est ce que j'ai vu dans le budget, je crois que j'ai vu ça dans le budget, me semble-t-il. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est ça qui est bizarre.
Je ne suis pas sûr que ce soit lié à Autolib. Bah, c'est marqué comme ça sur le... C'est plus lié à l'allocation des emplacements. Bah, les emplacements, on les a récupérés, les emplacements. Les emplacements, on les a transformés en stations de recharge pour les véhicules électriques. Tout à fait, on est bien d'accord. Madame Deck, vous... Non, tu n'as pas marché. On trouvait un autre. Autolib, effectivement, le marché a été stoppé préventivement parce que la société Bolloré, en simplifiant, demandait des indemnités extrêmement importantes. Pour, mais il y a toujours en cours, évidemment, un contentieux. Ce contentieux se soldera nécessairement par une indemnité d'éviction anticipée à verser à la société Bolloré. Le contentieux est estimé, donc une provision est constatée et a été engagée, qui se traduit pour chaque ville adhérente d'Autolib anciennement, bien que la situation se soit arrêtée, à une provision qui correspond au montant d'environ 20 millions de dommages d'intérêt, si j'ose dire, ce n'est pas le terme exact, hein, mais de la provision pour résiliation anticipée du contrat qui a été acté. Donc, sont provisionnés depuis 2018, puisque le système est arrêté depuis 2018, 5 millions par an. Pour l'ensemble des communes. Pour l'ensemble des communes. Donc, par station, nous en avons 19 à Créteil, 19 emplacements. Par station, cela se traduit par une certaine somme, plus la participation aux frais de fonctionnement du syndicat Autolib Vélib, qui continue à exister, puisqu'il y a à gérer ce contentieux. Donc, cela se traduit par environ 5 200 euros par emplacement et par an pour la ville de Créteil, qui sont budgétés en 2021, comme ils l'avaient été en 2020, ainsi qu'en 2019 et 2018. Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas une redevance, mais une provision... Pour indemnisation. Pour indemnisation dans l'anticipation sur l'issue juridique. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Donc vous me donnez acte de la communication, et pour celles et ceux qui ne l'ont pas eue, je vous invite à prendre ce document qui est très complet. Et qui est à l'entrée de la salle, je crois. Le point suivant, Monsieur Pessec, le budget. Monsieur le maire, mes chers collègues, le projet de budget primitif soumis au vote du Conseil municipal autorise les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de notre ville de Créteil pour l'année 2021. Dans un contexte de crise sanitaire qui perdure, la crainte de variants plus sévères, la nécessité d'un troisième confinement à la durée incertaine, aux conséquences humaines, sociales, économiques et financières très lourdes, avec des comptes publics d'ores et déjà plus dégradés que ceux affichés par la loi de finances initiale pour 2021, le budget communal s'inscrit pleinement dans les hypothèses très volontaristes présentées le 8 février. Malgré un impact négatif de 4 millions d'euros sur l'autofinancement du fait de la pandémie, les grands équilibres ont été maintenus au vu du compte de résultat 2020. Face à la pandémie, Créteil, par la mobilisation très réactive de ses équipes municipales et du CCAS, a su venir en aide à ses habitants, à tous ses habitants.
Fort de l'expérience acquise, le budget primitif 2021 traduit la volonté de maintenir et de renforcer la présence d'un service public de proximité fort et de qualité avec, en priorité, l'accompagnement humain, sanitaire et solidaire auprès des Cristoliens, surtout les plus vulnérables et précaires. Ainsi, en 2021, fonctionne 7 jours sur 7 et sur de grandes amplitudes horaires le centre d'appel téléphonique au sein de la mairie et le centre de vaccination Marie-Thérèse Ekem. L'aide exceptionnelle de 200 euros dédiée aux nombreux étudiants isolés de l'UPEC, fragilisés par la disparition des petits jobs, a été reconduite. L'accès des Cristoliens à une complémentaire santé municipale est à l'étude. Les crédits dédiés aux subventions au monde associatif ont été maintenus et même augmentés, tant le tissu associatif, par sa densité et sa diversité, a prouvé sa capacité à faire vivre le lien social et à apporter un soutien psychologique en complément et souvent en symbiose avec les actions du CCAS. Ce budget est également conçu pour ancrer toujours davantage le développement durable et la végétalisation des espaces dans les investissements projetés afin que la ville soit belle à vivre. C'est pourquoi l'investissement est maintenu à un niveau élevé, supérieur à 2020, tout en maintenant inchangé l'endettement communal. Dans un budget qui s'équilibre à près de 225 millions d'euros en dépenses et en recettes. Vont vous être présentés successivement la reprise anticipée des résultats d'exécution 2020 et les restes à réaliser, le budget d'investissement et de fonctionnement 2021 et proposer le vote des taux de la fiscalité directe. La reprise anticipée des résultats de l'exercice 2020 et les reports. Comme chaque année, il vous est proposé de procéder à la reprise anticipée des résultats du précédent exercice avant l'adoption du compte administratif. Ces résultats sont conformes à ceux de Madame la Trésorière municipale. Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 est excédentaire de 11,8 millions. Le résultat d'investissement exprime un besoin de financement de 3,9 millions. Par différence, le montant de la reprise anticipée s'élève donc à 7,9 millions. Les reports d'investissement, dans un contexte opérationnel très difficile, ne représentent que 4,7 millions en dépenses et concernent la voirie, les travaux et équipements sur les bâtiments, principalement la rénovation Giraudoux, avec en recette 5,2 millions d'euros, dont les subventions liées à ces opérations, ainsi qu'un emprunt non encore encaissé de 3 millions d'euros. Il faut saluer l'engagement de tous les agents municipaux qui ont permis cette remarquable performance de réaliser un programme d'investissement ambitieux malgré de longues périodes de confinement. Le projet de budget principal 2021, la section d'investissement, les dépenses et recettes d'investissement s'élèvent à 44,3 millions. Les dépenses nouvelles d'investissement s'élèvent à 35,2 millions. En dépit des aléas sanitaires qui rendent incertain le déroulement de l'exercice budgétaire, l'investissement est maintenu à un niveau élevé, supérieur de plus de 2% à 2020, afin de contribuer à la relance économique et l'emploi, tout en poursuivant le développement ambitieux, harmonieux et durable de notre ville. Les dépenses d'investissement s'établissent à 14 millions en hausse de 300 000 euros. Les priorités qui avaient été définies concernent le développement durable et la transition énergétique, comme cela a été souligné par mon collègue Urgin il y a un instant, rénovation thermique des bâtiments municipaux, maternelle du Jeu de Paume et diagnostic énergétique de 39 bâtiments, plan de rafraîchissement des crèches et des écoles, porté à 480 000 euros avec la climatisation de la RPA du Halage et du foyer Soleil. Création de 40 jardins familiaux sur l'île Brispin, platelage des bords de Marne, aménagement des espaces verts. Effort accru sur la politique active d'économie d'énergie, plus de 1,3 million d'euros consacrés à l'éclairage public et à la signalisation. La requalification des espaces publics et l'amélioration du cadre de vie. Programme de renouvellement urbain, Montmélie-Abette, vestiaire du stade. Installation d'un local de quartier avec implantation de services de proximité dans le quartier Néossé. Requalification, réfection et pacification de rue.
Gallieni, La Ferrière, Chéré, Anatole France, secteur piétonnier Leclerc, Dalle, Larmina, Passerelle des Coucous et Mataro, poursuite des travaux d'accessibilité sur les bâtiments et lieux publics. La sécurité des Cristoliens, avec un effort porté à 574 000 euros. Il s'agit de la poursuite de la stratégie de sécurité concertée avec la police nationale. Modernisation et extension de la vidéoprotection. Sécurisation des parkings Laéo-Moine et Hôtel de Ville. Les crédits affectés au développement de l'inclusion numérique progressent de 24%. Fibrage, mise en réseau et sécurisation du réseau numérique communal, télétravail. Accélération de la dématérialisation par la mise en œuvre d'applications métiers. Les crédits liés à la démocratie locale, mis à la disposition des conseils de quartier, sont maintenus à 300 000 euros, cette année étant consacrée à l'installation et au redéploiement des conseils nouvellement élus, avec en perspective la mise à disposition d'une enveloppe de 1 million d'euros pour initier des projets structurants. Le remboursement du capital de la dette s'élève à 13 millions d'euros. Au 1er janvier 2021, l'encours de la dette est de 132 400 000 euros, avec un taux moyen de 1,63%. Ces caractéristiques vous ont été détaillées lors des orientations budgétaires. Un montant de 5 millions d'euros, équilibré en recettes, est inscrit pour d'éventuels refinancements en fonction des opportunités de marché. La participation versée à Créteil Habitat SEMIC pour Aimé Césaire diminue à 1 045 000 euros, c'est l'avant-dernière année. Les recettes nouvelles d'investissement, 39 millions d'euros. Ces recettes réelles d'investissement s'élèvent à 26 millions 7 et comprennent des subventions d'investissement de 1 million 3 en accompagnement des projets, les dotations et participations pour 2 millions 5, dont 2 millions 100 au titre du FCTVA, les cessions de biens pour 275 000 euros en nette baisse, l'excédent de fonctionnement capitalisé de 3,9 millions en forte baisse due à l'effet Covid. L'équilibre s'effectue par le recours à l'emprunt pour un montant de 13 millions d'euros, soit un montant équivalent à celui des remboursements. Au vu du contexte et du programme très soutenu d'investissement, l'objectif a été de stabiliser la dette communale. La section de fonctionnement. La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et recettes à un peu plus de 180 millions d'euros, dont 168 millions de dépenses réelles en hausse de 1,12%. Les dépenses d'ordre à plus de 12 millions progressent de 2,5 millions, augmentation qui s'explique par l'accroissement de 36% du virement à la section d'investissement. Cette amélioration de l'autofinancement autorise le maintien d'un haut niveau d'investissement tout en limitant le recours à l'emprunt. Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses à caractère général, 19,6 millions, régressent de 4,5% par une gestion prudente. Les dépenses de personnel, 84,3 millions, progressent de 2,21%. L'ensemble des personnels communaux est mobilisé, souvent au-delà de ses missions traditionnelles, pour garantir la protection de nos citoyens. Outre les dépenses liées à la pandémie, accompagnement des publics fragiles, fonctionnement des centres d'appel et de vaccination, la hausse provient essentiellement des mesures réglementaires décidées au niveau national. La dotation au fonds de compensation des charges territoriales versée à GPSEA, 31,8 millions, qui se compose de parts de fiscalité, de compensation salaire et de compétences transférées, progresse de 388 000 euros sous l'effet de l'augmentation de la participation des communes membres de 1,2% votée par GPSEA. Les subventions et participations d'un montant de 27,8 millions recouvrent les subventions accordées à plus de 150 associations qui sont maintenues à 9,2 millions d'euros afin de soutenir le tissu associatif fortement impacté par la crise sanitaire qui a rendu plus pressante et vitale
l'aide à apporter aux familles et aux jeunes en grande précarité. La pérennisation de son intense mobilisation justifie pleinement cet effort financier pour en maintenir la vitalité qui est l'un des marqueurs de Créteil. Il en va de même pour le CCAS, dont la subvention progresse de 80 000 euros à 13,2 millions et qui est confronté à un effet de ciseau du fait de l'augmentation de ses charges liées à la pandémie, alors que dans le même temps, l'État et la CAF se désengagent. Le CCAS est le principal outil de la politique municipale de solidarité et de lutte contre l'exclusion pour nos concitoyens fragilisés. En 2021, la cellule d'appel et d'accompagnement des seniors et la reconduction de l'aide exceptionnelle de 200 euros versée aux étudiants en logement autonome renforcent ces dispositifs. Les contributions aux établissements publics. Je reprends. Les contributions aux établissements publics de coopération intercommunale et les participations et contributions obligatoires, Infocom, base de loisirs, brigade des sapeurs-pompiers, école privée, totalisent 5,3 millions. Les frais financiers en baisse sont évalués à 2,9 millions. Si la tendance est à la remontée des marges bancaires, les taux devraient rester bas du fait des financements publics massifs pour éviter l'effondrement de nombreux secteurs économiques. Le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, c'est-à-dire l'autofinancement, s'élève à 8,9 millions. Par grande fonction, les dépenses réelles de fonctionnement se déclinent en 26,2 millions pour l'enseignement et la formation, 21,2 millions pour le sport et la jeunesse, 15,7 millions pour les interventions sociales et la santé, 10,6 millions la sécurité et la salubrité publique et 5,8 millions pour la culture. Les recettes de fonctionnement. Les recettes réelles de fonctionnement d'un montant de 171,5 millions se répartissent comme suit. D'abord, les produits des services et du domaine sont évalués à 8,9 millions, montant fondé sur des prévisions de recettes proches de 2019 et corrigées de l'impact prévisible à ce jour de la pandémie sur la participation des familles à la restauration scolaire, aux classes de découverte, à LSH, à l'accueil périscolaire, et dans les centres de vacances, également sur les restaurants administratifs et la location des équipements municipaux. Les recettes de fiscalité indirecte de 47,3 millions comprennent notamment l'attribution de compensation versée par la métropole qui, elle, est figée à 37,3 millions depuis plusieurs années, le fonds de solidarité de la région Île-de-France qui est en baisse à 5 millions d'euros, la taxe additionnelle sur les droits de mutation, que nous avons augmentée à 3,3 millions au vu de la bonne tenue du marché immobilier secondaire en 2020. Les dotations de l'État et les participations sont en baisse sensible, à 25,7 millions, alors que la population cristolienne, qui est maintenant de 92 737 habitants, a progressé de 1 617 habitants. Au total, la ville a perdu 40 millions d'euros depuis 2014. Les recettes réelles diverses pour 3 millions correspondent aux produits de gestion courante et financiers, ainsi que 500 000 euros de reprise anticipée du boni de clôture de la ZAC des Sarrasins. Autre recette, la reprise anticipée de l'excédent de fonctionnement 2020, comme nous l'avons vu, pour 7,9 millions. J'en arrive aux produits de la fiscalité directe locale, d'un montant de 86,5 millions, qui ne peuvent se comparer avec les années précédentes du fait de la suppression de la taxe d'habitation, du moins pour les résidences principales. Celle-ci est remplacée par l'ex-part du foncier bâti départemental, dont le taux de 13,75% s'ajoute au taux communal de 27,54% que nous avions voté les années précédentes et qui avait été maintenu pendant 3 exercices. Pour conserver le taux de base communale de 41,29%, ce serait compliqué le montage auquel nous sommes maintenant confrontés. Le produit résultant de ce nouveau mode de calcul, étant sensiblement inférieur au produit des anciennes taxes que la ville aurait reçues en 2021, il lui sera appliqué désormais un indice correcteur positif de 1,346 721.
figé pour les prochaines années et qui s'appliquera donc désormais aux recettes de foncier bâti de la commune. De plus, et dans un souci d'harmonisation, le régime de la taxe foncière, anciennement départementale, étant désormais aligné sur le régime communal, il est mis fin à l'exonération départementale 2 ans sur les constructions nouvelles, le plancher d'exonération étant fixé par l'État à 40%, taux qu'il vous est proposé d'adopter afin de limiter l'impact de cette disposition sur les recettes fiscales de la ville. Enfin, les recettes fiscales communales sont érodées cette année par la très faible revalorisation législative de 0,2%, alors que l'inflation est attendue au-delà de 1%, c'est du moins ce qui a été annoncé par la Banque de France et l'INSEE ces derniers jours. Au regard de la crise sanitaire, dont la gravité perdure, avec un impact significatif sur les équilibres budgétaires de la collectivité, et considérant la nécessité de préserver nos capacités d'autofinancement et d'investissement sans recourir à un endettement supplémentaire, il vous est proposé d'augmenter de 1% le taux de la taxe sur le foncier bâti et de fixer son taux à 41,7%. Je tiens à remercier les personnels des services municipaux et de la direction des finances, de la commande publique et des services informatiques qui ont dû élaborer ce budget de nouveau dans un contexte de crise sanitaire à l'évolution toujours incertaine à ce jour, de surcroît, sur la base de données, voire seulement d'estimations financières, remises tardivement par les services de l'État et avec, encore à ce jour, un certain nombre d'incertitudes qui demeurent. Mes chers collègues, il vous est par conséquent proposé d'adopter le budget primitif principal pour l'exercice 2021, de fixer à 40% l'exonération de foncier bâti sur les constructions nouvelles à usage d'habitation, de fixer les taux d'imposition sur les ménages pour l'année 2021 comme suit, taxe sur le foncier bâti 41,7%, taxe sur le foncier non bâti 51,35%, taxe d'habitation sur les résidences secondaires 29,36%, de fixer l'enveloppe d'emprunt à 13,2 millions, d'attribuer pour 2021 une subvention de fonctionnement au CCAS de 13 214 211 euros, d'attribuer une subvention d'équipement de 50 000 euros à l'Association culturelle israélite de Créteil, de 50 000 euros à la Brigade des sapeurs-pompiers de Créteil, de 8 000 euros à l'Union sportive de Créteil, d'autoriser Monsieur le maire à rechercher tout type de subvention pour le financement des opérations prévues au budget et d'affecter le résultat de fonctionnement 2020 à hauteur de 7 851 761,82 euros à la section de fonctionnement. Avis favorable à la majorité de la commission des finances. Merci, Monsieur Pessac. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Brecht, Monsieur Le Guillou, Monsieur Brecht d'abord. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, vous nous présentez ce soir un budget, je le qualifierais d'inquiétant pour notre ville, pour cette année, et pour les prochaines années, au vu des informations que vous nous avez données. En effet, cette présentation magnifique que vous nous faites est en fait trompeuse et destinée à nous endormir derrière de beaux discours et de belles intentions. Connaissez-vous ce que l'on appelle, en matière de finances publiques, l'effet ciseau? Visiblement non, ou plutôt vous l'occultez. Pour juste pour information, l'effet ciseau est la conjonction de deux courbes, celle des dépenses réelles de fonctionnement et celle des recettes réelles de fonctionnement. Je pourrais revenir sur des chiffres depuis 2016, mais je pense plus 1,7% entre 2018 et 2019, plus 1,4% entre 2019 et 2020, et pour cette année, une augmentation de 3,5%, qui nous fait passer donc en 2018 de 157 millions à cette année 167 913 000 euros. Mais dans cette même période, les recettes, elles, ont baissé de 2,7%, 176 290 000 euros en 2019
pour cette année 171 470 000 euros. Preuve encore plus évidente, la chute de près de 61% de notre épargne brute et la hausse de notre épargne nette. Juste pour encore un petit rappel, que l'épargne brute, c'est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, avec un objectif, celui de dégager de l'autofinancement pour investir, le socle de la richesse financière de la commune. L'épargne nette, elle, est égale à l'épargne brute, moins le capital des emprunts remboursés. Et c'est bien là que le bât blesse. Si en 2018, les deux valeurs étaient positives, une baisse de 7% a été constatée en 2019, mais, je vous donne les chiffres, épargne brute en 2019, 16 255 000 euros, épargne nette, 1 916 000 euros. Mais déjà en 2020 apparaissent les premiers signes négatifs. L'épargne brute reste à 9 306 000 euros, nous avons déjà perdu 42%. L'épargne nette, elle, passe à moins 3 712 000 euros. Et pour 2021, c'est une chute de près de 61% qui s'annonce, avec une épargne brute à 3 557 000 euros et une épargne nette à moins 9 443 000 euros. Le constat est évident, la comparaison des deux courbes des recettes et de dépenses réelles de fonctionnement alerte sur la dégradation de l'épargne et sur les risques que je vous expliquais de l'effet ciseau. En effet, le problème, c'est la dette. L'encours de la dette pour 2021, on vient de nous être dit par M. Pessac, est de 132 millions 47 000 euros. Nos emprunts seraient de 13 200 000 euros et l'annuité de remboursement du capital de 13 200 000 euros, soit 1 428 euros par habitant, comme vous le savez, bien plus que la strate, mais cela, c'est quelque chose que vous contestez. Et de ce fait, notre ratio de désendettement passera à 37 ans. Avant de conclure, d'ailleurs, je souhaite remercier les services municipaux pour la qualité de leur travail, toujours aussi exigeant dans une période aussi compliquée. Si certes, la pandémie de la Covid contraint cette année encore le budget de la ville, cette crise sanitaire économique sans précédent continue certes à dégrader nos finances. Et à ce jour, personne ne sait pour combien de temps encore. Face à une situation si exceptionnelle, vous devriez, vous auriez dû prendre des mesures exceptionnelles en matière de finances locales. Mais qu'en est-il? La remarque frappante à la lecture du budget est le déséquilibre d'approche entre les recettes en berne et cette obstination à augmenter les dépenses. Préserver le service public aux cristoliens est pour nous tous une nécessité. Mais cela ne signifie pas augmentation disproportionnée des dépenses. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il est question dans la matière des deniers publics. Pour l'instant, c'est... Monsieur Le Guillou. Ça augmente de 1,2% les dépenses de fonctionnement. Monsieur le maire, chers collègues, Monsieur Elbrecht, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. C'est ainsi que j'avais conclu il y a 2 mois l'intervention du groupe Société Civile dans le débat d'orientation budgétaire, car il s'agit bien d'une situation de crise, de guerre, à laquelle nous devons faire face. 2 mois se sont écoulés. C'était le 8 février dernier. Nous n'en finissions déjà plus de voir réduire un peu plus nos espaces de liberté, fermeture des commerces, couvre-feu. Mais le gouvernement s'enorgueillissait de maintenir les écoles ouvertes et grâce à la vaccination, on nous promettait pour mi-avril des jours meilleurs. Des jours meilleurs. On le voit aujourd'hui, le pari est perdu. On n'ose plus trop espérer. On évite d'être trop optimiste dans notre projection, de peur d'être déçu. Bref, on n'y croit plus. On n'a d'ailleurs aucune garantie de réouverture des écoles et on se met d'ailleurs à envisager une énième modification des épreuves du baccalauréat. Tout un symbole. La situation sanitaire est grave, le moral des Français pseudo-confinés en berne et la crise sociale et économique à laquelle nous devons faire face est sans précédent. Les collectivités, comme bien souvent, sont en première ligne pour aider, accompagner et maintenir l'espoir.
le maire de Créteil et avec lui la municipalité prennent leurs responsabilités et placent les Cristoliens au centre de l'action, et ce budget proposé ce soir en est le reflet. Ce budget exceptionnel répond aux enjeux de cette crise sans précédent en plaçant d'abord l'humain au cœur de nos priorités. C'est d'abord un budget qui protège les Cristoliens, sur le plan sanitaire évidemment, par un effort sans précédent supporté par la ville, l'augmentation de nos capacités de vaccination à Marie-Thérèse-Eckheim, ainsi que la mobilisation exemplaire de nos agents municipaux pour permettre de vacciner toujours plus sur des plages horaires étendues, à condition bien évidemment d'avoir des vaccins. Mobilisation dans le temps, adaptabilité. Nous pouvons être fiers et rendre hommage à nos agents, d'autant qu'il est toujours de bon ton dans un débat budgétaire de critiquer les dépenses de personnel. C'est ensuite un budget solidaire pour les Cristoliens les plus fragiles, les aides mises en place pour les plus démunis, comme les étudiants en précarité, touchés par le ralentissement économique, sont autant de dépenses non prévues et priorités politiques assumées par une majorité municipale progressiste. Il en est de même dans le choix d'augmenter les subventions annuelles de la ville au CCAS, qui doit faire face à plus de dépenses, alors que paradoxalement, les subventions de l'État et de la CAF continuent de diminuer. Cette solidarité va bientôt se manifester de manière plus large avec la mise en place de la mutuelle communale en cours d'élaboration. C'est aussi et surtout un budget qui permet de maintenir, de préserver des liens à travers le tissu associatif cristolien dense et qui subit aujourd'hui de plein fouet la crise et dont il est nécessaire de montrer notre solidarité. On aurait pu faire des choix, réduire drastiquement les subventions, par exemple, sportives ou culturelles, considérant que nous avons une année presque blanche. Mais quel signe, chers collègues, aurions-nous donné à des femmes et des hommes qui, bien souvent bénévoles, essayent de maintenir le lien avec leurs adhérents, faisant preuve souvent d'imagination pour continuer à pratiquer. De plus, année blanche ne veut pas dire sans dépenses, car il va falloir rembourser aux adhérents les mois de non-pratique pour les associations sportives, par exemple, et payer les frais incompressibles tels que les licences que les fédérations ne remboursent pas. Mais surtout, il va falloir accompagner la reprise d'activité que l'on peut espérer d'ici la fin de l'année civile, où associations, clubs vont devoir rivaliser d'imagination pour faire revenir des adhérents qui, sur pratiquement 2 années, se seront peu impliqués. Cette reprise, nous l'espérons aussi pour l'été où les services travaillent avec les associations depuis plusieurs mois pour augmenter l'offre et les services avec les jeunes et les familles dont beaucoup ne partiront encore pas durant les congés scolaires. C'est aussi en cela, chers collègues, que notre budget est ambitieux et réaliste. Au-delà du maintien des dépenses de fonctionnement pour limiter auprès des Cristoliens les effets de la crise et assumer de nouvelles dépenses liées à celle-ci, il anticipe l'avenir et permet à notre ville de ne pas rater le rendez-vous de la relance. En maintenant un très haut niveau d'investissement, en priorisant des secteurs essentiels tels que le cadre de vie, le développement durable, l'éducation, le sport, la culture, on continue notre marche en avant. Maintenir une politique ambitieuse d'investissement aujourd'hui prend plus que jamais son sens dans cette crise et nous en aurons les bénéfices demain. Investir, c'est soutenir à notre niveau les entreprises et donc l'emploi de milliers de personnes. Ne pas anticiper, ne pas investir, ce serait perdre très vite notre attractivité qui se manifeste entre autres par une augmentation de notre population, comme nous l'avons constaté. Cette politique d'investissement raisonnée et ciblant la vie des quartiers et les équipements publics au service des Cristoliens, doit malheureusement tenir compte de la réalité. La situation sanitaire limite les réunions des conseils de quartier. Et dans ce domaine, il nous a fallu aussi nous adapter en maintenant un budget participatif, certes ambitieux, mais en deçà de nos objectifs et dont nous espérons une augmentation en 2022. Des dépenses liées à la crise, mais des dotations de l'État qui sont en baisse dans de nombreux domaines. Alors que nous votons le budget ce soir, les compensations des dégrèvements de la taxe d'habitation ne sont toujours pas connues cette année et seront gelées sur les années suivantes malgré l'évolution de nos bases. Pour résumer, nos dépenses assumées politiquement liées à la crise sont en hausse, alors que les recettes, de fait, sont en baisse. Les dotations diminuent et leur visibilité sur le mandat peu lisible. Dans ce contexte, nous arrivons à maîtriser l'augmentation de nos dépenses de fonctionnement autour de 1%, grâce à des réaffectations et des optimisations. Le recours à une augmentation de 1% de la taxe foncière nous semble faire preuve d'une attitude prudentielle, alors que nous maintenons une politique ambitieuse d'investissement.
Celle-ci se fait surtout sans augmenter le taux d'endettement, préservant ainsi notre capacité d'autofinancement. C'est le signe d'une gestion saine des finances publiques. C'est donc un budget humain, un budget solidaire, un budget ambitieux, mais surtout un budget réaliste et responsable. Voilà finalement en quelques mots comment nous pourrions mieux définir celui-ci, monsieur le maire, que le groupe Société Civile va évidemment soutenir et par son vote approuver à vos côtés. Merci monsieur Le Guillaume. Monsieur Mumba, monsieur Bro ensuite. Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi de remercier notre maire adjoint, Joël Pessac, maire adjoint en finances, pour sa présentation brillante, comme d'habitude, et féliciter bien sûr les services pour l'élaboration de ce rapport. Ces félicitations sont d'autant plus méritées quand on sait que l'État a remis très tardivement les éléments nécessaires à la finalisation du budget de notre collectivité. Du débat sur les orientations... C'est mieux. Okay. Lors du débat sur les orientations budgétaires, le groupe des élus communistes et partenaires a insisté sur le lien entre la crise sanitaire et le modèle économique capitaliste, dans lequel l'obsession de la baisse des dépenses publiques et la course au profit se sont traduites, pour ne donner que deux exemples, par des années de réduction des moyens pour l'hôpital public et par des milliards d'euros versés aux actionnaires de Sanofi, laboratoire pharmaceutique français qui s'est pourtant avéré incapable de participer à la production rapide d'un vaccin anti-Covid. Pire, ce laboratoire, qui a bénéficié de 1,5 milliard d'euros de crédit d'impôt recherche et autres subventions publiques en 10 ans, a supprimé, sur la même période, 5 000 emplois, dont 3 000 dans la recherche et le développement. N'oublions pas cela. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut faire, et il faut le marteler, c'est vacciner. Créteil prend pleinement sa part dans cet effort national, avec le centre de vaccination installé au sein de l'équipement maritime Ezekiem dans le quartier de l'Échat, ainsi que par un accompagnement quotidien avec une cellule d'appel dédiée en mairie. Nous saluons l'implication de l'ensemble des agents dans ce travail essentiel. Ce qu'il faut aussi aujourd'hui, et il faut également le marteler, c'est changer de logiciel à l'échelle de notre planète. Il est urgent de passer d'une logique d'exploitation totale à une logique d'émancipation commune, respectueuse des humains et de la planète. Ce n'est pas un doux rêve, non, c'est un impératif vital. L'humain et la planète d'abord, comme l'a rappelé notre collègue Jérôme Le Guillou. Plus concrètement, nous devons sortir d'un cauchemar où un pays comme le nôtre, avec près de 100 000 morts dus au Covid-19 en une seule année, avec plus d'un million de personnes ayant basculé dans la pauvreté sur la même période, connaît, dans le même temps, un homme, Bernard Arnault, pour ne pas le citer, dont la fortune a augmenté en 2020 de 44 milliards d'euros. Et pourtant, le gouvernement Macron, qui a largement contribué à la croissance des inégalités bien avant la pandémie, ressort les vieilles recettes pour maintenir le système capitaliste et s'assurer le soutien des puissants en vue d'un second mandat présidentiel. La technique est classique. D'une part, la division des citoyens, avec la désignation d'un bouc émissaire. La loi dite des séparatismes en est le dernier exemple. L'objectif est de détourner les citoyens de la lutte contre les inégalités économiques et sociales et de continuer à faire monter l'extrême droite en stigmatisant les citoyens de confession musulmane. C'est honteux, c'est inacceptable et c'est irresponsable. D'autre part, l'arme de la dette. Ainsi, au moment où l'espoir d'une sortie du tunnel apparaît à l'horizon, le rapport de la Commission pour l'avenir des finances publiques préconise de mettre un nouveau corset en limitant les dépenses à tous les niveaux. Dépenses pourtant nécessaires, cela a été précisé également, à une véritable relance économique. Il est peut-être suffisant de rappeler que cette commission est présidée par Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie et des finances de Jacques Chirac, qui a initié, sous le gouvernement Juppé, le début de l'encadrement de la progression des concours financiers de l'État en direction des collectivités. Cet encadrement s'est d'ailleurs amplifié par le contrat de stabilité de Sarkozy en 2008, bien avant le plan austéritaire d'Hollande en 2013. Macron poursuit ce funeste travail puisque, comme l'a rappelé notre maire adjoint en finances, contrairement au discours gouvernemental, la dotation forfaitaire de la commune de Créteil subira cette année encore une nouvelle baisse. Et malgré tout cela, le budget qui nous est proposé ce soir conserve ce qui fait la force de notre commune. C'est un budget solidaire, ambitieux et responsable au service du vivre ensemble.
Solidaire, ce budget assume ainsi le maintien et le renforcement d'un service public de proximité et de qualité. Oui, ce service public qui existe bel et bien grâce à des femmes et des hommes qui ont encore prouvé leur professionnalisme et leur dévouement en cette période tragique. Le maintien du niveau des dépenses de personnel ainsi que la pérennisation de plusieurs postes de vacataires est une très bonne chose. Le budget 2021 se distingue également dans la préservation des subventions au tissu local associatif avec une approche pragmatique qui prend en compte la situation de chaque structure et qui anticipe, avec une enveloppe de secours, les éventuelles difficultés que pourraient rencontrer ces structures. De plus, l'année 2021 verra la mise en place d'une mutuelle communale, engagement du programme municipal dont l'objectif est clair, étendre l'accès à une complémentaire santé pour les cristoliennes et les cristoliens. En ce qui concerne l'ambition, elle se traduit notamment par un maintien élevé des dépenses d'équipement, qui atteignent près de 14 millions d'euros. Ces dépenses concernent notamment des travaux pour la pacification de l'avenue du Général Ganini, la création des parcelles de jardins familiaux sur la pointe de l'île Brispin, des travaux de remise en état des passerelles des Coucous et Mataro, la réfection des garde-corps de la dalle de la Habette, de la chaussée de la rue Chéré, de l'avenue Ferrière, la Ferrière, et de la rue Anatole France. Ces quelques exemples, ce n'est pas exhaustif bien sûr, montrent que l'ensemble des secteurs de la ville sont pris en compte. S'il fallait relever un seul point significatif sur les autres dépenses d'équipement, c'est peut-être que sur 5 millions de dépenses d'entretien, d'extension et de modernisation du patrimoine immobilier communal, plus de la moitié est consacrée au secteur scolaire, avec notamment des travaux de modernisation, de rénovation thermique, d'intervention pour prévenir les risques en cas de forte chaleur et de travaux d'accessibilité. D'ailleurs, d'un point de vue sectoriel, l'ambition municipale en faveur de services publics forts en matière d'éducation et de jeunesse est perceptible. Avec une croissance des crédits consacrés à l'éducation et à la jeunesse, le montant total inscrit au budget 2021 s'élève ainsi à plus de 36 millions d'euros. Pour ce budget 2021, l'investissement est donc en hausse, plus 2% par rapport à 2020, cela a été présenté dans le rapport. En faveur des habitants, et particulièrement de celles et ceux qui feront l'avenir de notre ville et dont les conditions de vie et d'apprentissage sont fortement mises à l'épreuve par la pandémie. Cette pandémie est aussi un frein à l'organisation de la démocratie locale, même si nous avons réussi, grâce à un très bon travail des services, à mettre en place les nouveaux conseils de quartier. Cette remarque permet de signaler un regret que nous avons concernant ce budget, c'est le fait que la situation sanitaire ne nous permette pas d'activer plus rapidement le déploiement d'un budget participatif augmenté dans le cadre de la démocratie locale. Souhaitons que la sortie de la crise sanitaire le permette dès l'an prochain. Enfin, le budget 2021 s'inscrit dans une continuité, celle qui vise à favoriser de manière responsable la capacité d'autofinancement de notre commune. Cette volonté s'incarne, du côté budget de fonctionnement, par une évolution mesurée de la fiscalité, et du côté budget d'investissement, par une limitation du recours à l'emprunt. Ainsi, les ressources propres constituent en 2021 la principale source de financement du programme d'investissement avec une capacité d'autofinancement de près de 12,5 millions d'euros. Monsieur le maire, mes chers collègues, le groupe des élus communistes et partenaires votera sans réserve le budget tel qu'il nous est présenté ce soir. Et nous continuerons de revendiquer avec force que les collectivités locales, levier essentiel du redémarrage économique de notre pays et acteur essentiel de notre démocratie et de notre République, soient dotées à la hauteur des besoins des populations et dans des conditions adéquates pour exercer leurs prérogatives. Autrement dit, là où le gouvernement veut restreindre l'action de nos collectivités qui agissent pour le bien-être des citoyens, nous disons non. Là où le gouvernement veut remettre en cause la libre administration des communes par un système fiscal qui échappe aux choix démocratiques locaux, nous disons également non. 150 ans après l'expérience de la Commune de Paris, ces 72 jours d'innovation et d'expérimentation politique qui ont marqué l'histoire de la France et du mouvement ouvrier et féministe à l'échelle internationale, ce moment d'anticipation des progrès sociaux et démocratiques qui seront acquis bien plus tard, le temps semble être venu de résister et de créer de nouveau, de manière pacifique bien sûr, pour redonner plus de liberté à nos communes, pour donner plus de pouvoir aux citoyens. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Mumba. Monsieur Bro. Oui, Monsieur le maire, chers amis, chers collègues,
Nous sommes dans un moment effectivement assez particulier. Je ne vais pas reprendre en ce qui me concerne mes propos du débat précédent lors de notre dernière séance en février, et je vais m'efforcer de faire court. Tout d'abord, sur la vision que nous avons effectivement de la situation, je pense qu'il faut que nous rompions avec cette idée instillée par l'actuel président de la République, selon laquelle nous serions en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre, comme l'a très bien rappelé, en réponse au président de la République française, le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, en avril 2020, donc un mois après la déclaration du président. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes face à un test d'humanité. Et c'est bien ça, le sujet. Il s'agit bien d'essayer de changer de paradigme, de changer notre approche par rapport à ce que doivent être nos priorités, de voir que ce qui est véritablement important dans une société, ce ne sont pas nécessairement les grands financiers ou ceux qui apparaissent comme les grands de ce monde, mais au contraire, ceux qui, chaque jour, jour après jour, dans la difficulté souvent, assurent les services essentiels dans le domaine de la santé, dans le domaine de la propreté, dans le domaine de l'administration de notre ville. J'attire vraiment votre attention sur ce point parce que je pense que, au point où nous en sommes, on le voit bien, cela impacte l'ensemble de nos approches. Et lorsque, aujourd'hui, on nous demande, et c'est la demande de Thierry Ebrecht, de prendre conscience de la situation et de, en particulier de l'importance de l'endettement à terme, qu'il le sache, nous mesurons pleinement les efforts et les contraintes qui s'imposent à nous. Et d'ailleurs, Joël Pessac les a remarquablement bien exposés. Et j'en remercie. Oui, l'impact de la Covid en particulier doit être pris en compte. Et sans doute, les moins 4 millions qu'il évoque dans son rapport seront-ils au final peut-être un peu plus importants. Sans doute. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on nous demande un effort particulier aux uns et aux autres, et aux cristoliens et cristoliennes, effectivement, avec l'augmentation de certaines taxes, et en particulier l'augmentation de la taxe foncière, qui sans doute est nécessaire, même si nous n'y avons pas consenti de gaieté de cœur. Mais qu'est-ce qui importe? Que font les grandes collectivités, les grands États? L'Union européenne, tiens, par exemple, dirigée et présidée à la tête de la Commission par des amis de M. Ebrecht. Eh bien, ils s'endettent. Ils organisent l'investissement. Ils préparent demain. Et c'est bien cela que nous devons faire, nous aussi, à notre modeste niveau. Et c'est pourquoi, effectivement, Joël Pessac, courageusement, nous propose de maintenir un haut niveau d'investissement qui doit nous amener, effectivement, à concrétiser la mise en place de ce bouclier sanitaire et social que nous avons déjà évoqué la fois dernière, mais aussi, et peut-être surtout, pour affirmer notre démarche volontariste de développement durable pour demain. Car c'est par cette action concrète, à l'échelon municipal, au niveau municipal, que nous contribuerons effectivement à répondre aux défis de demain. Et puis, il faut souligner l'effort accompli pour maintenir le soutien à la vie associative à Créteil, à un haut niveau d'activité. C'est une base importante pour développer la participation citoyenne et démocratique. Car qu'est-ce qui est en jeu en ce moment? Qu'est-ce qui court? C'est le découragement. C'est la perte de lien, renforcée bien sûr par toutes les contraintes auxquelles nous sommes les uns et les autres tenus d'observer. Et ce qu'il s'agit de défendre, c'est bien ce projet démocratique. Et pour cela, le soutien à la vie associative, le soutien sous toutes ses formes, est essentiel. C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, élus socialistes, nous voterons positivement et avec détermination, monsieur le maire, ce budget tel qu'il nous a été présenté. Je vous remercie. Merci, M. Brault. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vous en prie. M. Kérizit, oui. Oui, M. le maire, mes chers collègues. Ce budget primitif fait, comme l'année dernière, figure d'exception, compte tenu de la conjoncture liée à la crise sanitaire. Cette crise sanitaire, dont nous ne voyons toujours pas le bout du tunnel, fait peser de grosses incertitudes sur les recettes, alors que celles de 2020 ont connu déjà une érosion en raison notamment des confinements successifs.
Cette crise sanitaire est loin d'être derrière nous et ses conséquences seront encore bien réelles en 2021 sur les finances de notre collectivité. À la lecture du rapport que vous nous présentez ce soir, j'ai bien peur que vous ayez fait preuve d'un certain optimisme dans la préparation de ce budget. Ce budget est même préoccupant. Si l'on regarde de plus près, comme l'a effectivement exposé M. Ebrecht, les courbes de recettes, de fonctionnement et de dépenses, lesquelles se rapprochent dangereusement, le point, effectivement, comme il l'a précisé, du cisaillement n'est plus très loin. L'épargne nette ne suffit même plus à rembourser le capital de la dette, nous obligeant à emprunter pour rembourser le capital de cette dette. La situation, comme je l'ai dit précédemment, devient effectivement très préoccupante. Même plus préoccupant encore, c'est le ratio de désendettement qui correspond au rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute qui explose pour dépasser les 37 ans. Nous nous devons de faire preuve de lucidité pour anticiper les difficultés et prendre la mesure des efforts à faire pour affronter la crise. Dans ce contexte, il est indispensable, d'une part, de soutenir particulièrement l'investissement qui alimente et soutient notre économie locale et l'emploi, en complément bien évidemment du plan de relance de l'État, mais surtout de réduire les dépenses de fonctionnement, parmi lesquelles les dépenses superflues. Or, à regarder le rapport que vous nous présentez ce soir, les dépenses de fonctionnement continuent d'augmenter. Et les dépenses liées notamment au personnel représentent plus de 50% de ce budget que vous nous présentez ce soir, qui augmente en plus de plus de 2 millions d'euros. Depuis 2019, ces dépenses liées au personnel ont augmenté de plus de 3%. Si nous sommes bien évidemment, comme l'a rappelé M. Ebrecht, favorables au maintien d'un service public de qualité et de proximité, les dépenses de personnel ne peuvent être augmentées de façon disproportionnée. Nous ne nions pas, bien évidemment, les dépenses supplémentaires et nécessaires liées aux conséquences de la pandémie, ni les dépenses liées aux mesures réglementaires décidées au niveau national, glissement vieillesse technicité, bien évidemment également parcours professionnel, carrière et rémunération. Toutefois, ces dépenses ne peuvent expliquer à elles seules cette augmentation de plus de 2 millions d'euros. Un point attire particulièrement notre attention, c'est le recrutement sans cesse récurrent de postes de catégorie A. Ce phénomène est d'autant plus flagrant lorsque nous faisons la rétrospective depuis 2015. Les créations de postes de catégorie A ont en effet flambé depuis ces 5 dernières années, alors que les créations de postes de catégorie C, elles, par contre, qui participent aux services publics de proximité, sont, elles, par contre, restées stables. La situation budgétaire préoccupante appelle à un véritable effort sur les dépenses. Or, vous faites exactement le contraire en laissant filer ces dépenses que vous financez par une augmentation de 1% de la taxe foncière, déjà très élevée dans notre ville pour les propriétaires. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, ces dernières ne sont pas à la hauteur de la situation. Elles n'augmentent pas par rapport à l'année dernière, au moment où nous aurions eu besoin d'un véritable électrochoc. Mais plus inquiétant, c'est le remboursement du capital de la dette qui pèse autant dans les dépenses d'investissement que les dépenses directes d'équipement qui, elles, participent à l'amélioration du cadre de vie des Cristoliens. Dans le contexte de crise que nous connaissons, ce budget n'apparaît pas à nos yeux comme assez ambitieux. Il est primordial de mettre en place à l'échelle de la ville un véritable programme d'investissement en retenant en priorité les investissements qui auront le plus grand effet levier sur l'emploi avec un effet d'entraînement d'investissement privé. Pour ces raisons, vous l'aurez compris, Monsieur le maire, nous voterons contre ce budget. Merci. Joël, quelques précisions ? Merci, Monsieur le maire, de me redonner la parole. Monsieur Carizit, Monsieur Ebrecht, un budget ne s'apprécie pas uniquement sur la base d'un ratio, mais doit s'apprécier dans sa globalité. Puisque... Puisque vous avez parlé de ratio, je vais être très bref, mais je vais vous en citer quelques-uns et qui viennent complètement infirmer vos affirmations. Premièrement, vous parlez de l'endettement de la ville. L'encours de l'endettement se considère, au vu des statistiques, des informations générales comparables,
pour des villes de même strate, l'encours de l'endettement se compare aux recettes réelles de fonctionnement. Pour la ville de Créteil, le ratio est de 77%. Pour la moyenne nationale de la strate, c'est de 91%. Donc Créteil est beaucoup moins endetté que vous ne le dites, et beaucoup moins endetté que la moyenne nationale. Pour ce qui concerne les dépenses de personnel, puisque vous nous dites qu'elles flambent à Créteil, eh bien c'est complètement faux. J'en veux pour preuve cette statistique, qui fait état au 1er janvier 2020. Les dépenses de personnel représentent à Créteil à peine plus de 50% des dépenses réelles de fonctionnement, alors que la moyenne de la strate est à 61%. Par ailleurs, vous nous dites que des dépenses réelles de fonctionnement sont beaucoup trop importantes à Créteil. Alors certes, elles sont plus importantes que la moyenne de la strate. Mais les recettes réelles de fonctionnement, elles sont aussi beaucoup plus importantes. Pour vous en donner la preuve, par personne, par habitant, elles sont de 1849 euros pour Créteil, alors qu'elles ne sont, je parle des recettes, que de 1542 pour la moyenne de la strate. Donc, à peu près tous les arguments que vous avez employés, soit vous ne les avez pas considérés dans leur globalité, soit vous considérez quelques chiffres qui ne correspondent pas à une vision d'ensemble du budget. Et je vous rappelle que depuis plusieurs années, nous n'avons cessé de répéter et d'affirmer que nous étions en charge d'un budget qui devait être en ligne avec les gros investissements qui sont attendus sur le Mont-Mélie, des gros investissements que nous devons faire sur Créteil, qui concernent à la fois aussi le quartier de l'Échat et le triangle nord de l'Échat, pour ne parler que de cela. Et dans le cadre d'investissements qui sont pour le développement durable et pour la satisfaction de nos concitoyens. C'est tout ce que je voulais dire, monsieur le maire. Merci, monsieur Pessac. Si vous permettez juste quelques mots. Une personne que j'ai beaucoup respectée et admirée disait « Bientôt en politique, il n'y aura que des comptables et des financiers. » Le drame, ce n'est pas tout à fait peut-être qu'il n'y ait plus que des financiers et des comptables, c'est surtout quand émergent des mauvais financiers et des mauvais comptables. Quand j'ai commencé à écouter l'intervention de M. Ebrech, je me suis dit, tiens, pour une fois, on va partager la même analyse, celle de l'effet ciseau. S'il y a quelqu'un qui mesure bien l'effet ciseau, c'est bien moi, dans ma pratique quotidienne. En effet, situation qui nous impose des dépenses nouvelles que je ne reprendrai pas, pour la protection de nos concitoyens, pour le renforcement du personnel auprès des personnes les plus fragiles, la mise en place de nouveaux services à des heures parfois indues qui nécessitent des rémunérations correspondantes au niveau du personnel, bref, des dépenses en augmentation de l'ordre certainement de près de 2 millions d'euros. Et en même temps, forcément, des dépenses en baisse, toutes celles qui sont liées à notre patrimoine, c'est-à-dire aux prestations que nous assurons dans un certain nombre de domaines, que ce soit l'éducatif, les crèches, les centres de loisirs, des recettes qui ne sont pas là, mais des charges, et heureusement, je dirais, sont toujours là avec un personnel qui est bien sûr présent. En même temps, des dépenses qui augmentent de par des dispositifs qu'on doit mettre en place et des recettes qui continuent de baisser
pas seulement au niveau des biens patrimoniaux, mais aussi des mesures que nous prenons, certaines à votre demande, pour aider les commerçants qui sont nos locataires et à qui nous avons consenti des exonérations de loyer, pour exonérer toutes celles et tous ceux qui exploitent des terrasses, pour mettre en place avec Créteil Habitat une politique sociale qui, dans la période actuelle, n'a pas augmenté les loyers, et je cite encore les loyers des associations, qui n'ont pas été perçus maintenant presque pour 2 ans. Donc tout cela s'additionne, et on arrive à cette somme de 4 à 5 millions qu'a évoqué monsieur Joël. À ces 4 millions s'ajoute aussi, à travers les bases, et c'est assez normal, et monsieur Kérizit a raison, l'année prochaine, ça sera, enfin 2022, ça sera sans doute encore plus sensible, des baisses de taxes sur un certain nombre d'activités, notamment tout ce qui est activités industrielles et commerciales, puisque nous avons eu sur la communication de ces bases une diminution de l'ordre de 500 000 euros. Donc si vous prenez tout ça en compte, M. Lebrecht, vous avez effectivement des capacités d'autofinancement et qui se trouvent réduites. Cela ne signifie pas qu'on s'est endetté, puisque nous n'avons pas fait ce choix. Nous avons maintenu le niveau d'emprunt au même niveau que l'année dernière. Et il se trouve que l'année dernière, nous avions, et les années précédentes, diminué notre endettement dans des proportions, je crois que sont de l'ordre de 8 à 10 millions. Donc la situation que vous décrivez n'est pas celle qui correspond à la réalité. Ce qui correspond à la réalité, c'est ce que nous avons mis en place dans un contexte certes difficile et qui répond à tous les engagements que nous avons pris dans le cadre de notre programme. Je vais commencer par un de nos premiers engagements, la sécurité. Ce soir, je suis bien disposé et je souhaite vous faire plaisir. 500 000 euros de crédit pour la sécurité, avec la vidéosurveillance et un certain nombre de mesures de sécurisation de parking ou autre. Le développement durable. Je ne vais pas revenir là-dessus, M. Urgin a été très complet. La rénovation urbaine que nous amorçons, notamment à travers des crédits d'études pour le carrefour éducatif. L'amélioration du cadre de vie dans des secteurs qui vous sont chers. La place Giraudoux. Les études sur la dalle de l'Armina, qui ne sont pas forcément des espaces publics communaux. C'est une intervention pour améliorer le cadre de vie en liaison avec les copropriétaires. Donc, je pourrais vous citer encore un certain nombre d'actions qui sont mises en route et qui marquent notre volonté d'aller de l'avant conformément à nos engagements. La situation de notre ville est certes, comme toutes les communes, situation financière, je parle, tendue de par les baisses de dotation qui se poursuivent, tendue aussi de par une réforme qui nous prive du dynamisme de la TH, ne serait-ce que par rapport au nouveau programme de logement,
Tout cela limite forcément nos capacités d'autofinancement. Mais pour revenir à un certain nombre de dépenses, prenons les dépenses de personnel que vous évoquez. Elles augmentent, je crois, de 2,5%. Et la part la plus significative dans cette augmentation, c'est des mesures qui sont prises au niveau national et que nous sommes, comme toutes les collectivités, tenus d'appliquer. Les autres dépenses, c'est 1,2% d'augmentation, avec une inflation qui doit être à peu près de l'ordre de 1%. Donc cela montre bien la rigueur avec laquelle nous conduisons cette politique locale. J'en terminerai sur un point, parce que vous avez l'air de dire, si je n'ai pas compris, que nous ne réalisons pas des économies. Quand vous avez environ 4 à 5 millions de pertes de recettes pour des raisons pour lesquelles vous n'y êtes pour rien, et qu'en même temps, vous avez des pertes de recettes qui impactent la vie quotidienne, vous allez augmenter la pression fiscale de 1 point. 1 point de fiscalité, c'est à peu près 500 000 ou 600 000 euros sur la taxe foncière. 600 000 euros et en moyenne 8 à 9 euros par foyer fiscal. Donc vous n'avez rétabli que 500 000 sur 4,5 millions. Les autres 3,5 millions ou 4 millions, il faut bien aller les chercher sur des économies. Donc, dans des budgets qui sont forcément contraints, 4 millions d'économies, M. Ebrech, c'est vertueux. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je suis certainement très incomplet, mais je ne crois pas que la démonstration que vous avez faite, qui avait pour seul objet de nous prédire une situation qui ne correspond pas à la réalité, devait être démentie. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le budget aux voix. Ceux qui sont d'avis de l'adopter le manifestent en levant les mains. Tu votes pas, toi. Les avis contraires, les abstentions, le budget est adopté. Le rapport suivant, M. Pessac. Il s'agit, monsieur le maire, mes chers collègues, du budget annexe de chauffage urbain pour l'année 2021. Donc ce projet de budget prévoit la reprise anticipée des résultats d'exercice précédent dans le budget primitif avant l'approbation du compte administratif. Les importantes dépenses réelles d'investissement 2021, plus de 4,7 millions contre 1,5 million en 2020, sont rendues possibles grâce à la valorisation pour un montant de 5,4 millions des certificats d'économie d'énergie dont la commune a bénéficié à hauteur de 60% dans le cadre de la création du troisième réseau de chaleur reliant l'usine d'incinération à la chaufferie du palais et l'extension vers le Grand Colombier. Cette année, les travaux concernent donc le réseau entre la chaufferie de la Croix-des-Mèches et le quartier du Grand Colombier et l'étude de l'extension du réseau de chaleur jusqu'au centre hospitalier intercommunal. Grâce à l'extension et l'optimisation de ce réseau de chaleur de 48 km, Créteil atteint sur la saison de chauffe 2019-2020
un ratio de 63,7% d'énergie renouvelable, rendant éligible l'énergie produite au taux de TVA réduit de 5,5%. Au bénéfice des utilisateurs, en progression de 39 150 à 39 448 équivalents logements, dont les nombreux habitants desservis. L'endettement au 1er janvier 2021 est faible à 4,2 millions et non risqué. Aucun emprunt n'est prévu cette année. Pour 2020, le résultat d'investissement fait apparaître un besoin de financement de 474 000 et l'exploitation un excédent de 1 538 000. Par différence, l'excédent anticipé de fonctionnement reporté s'élève à 1 064 000. La section d'investissement s'équilibre en recettes et dépenses à 5 627 000 euros. Les recettes proviennent d'une subvention ADEME et pour l'essentiel du virement de la section de fonctionnement qui est abondée par les certificats d'économie d'énergie dont je viens de parler. La section d'exploitation s'équilibre en recettes et dépenses à 7 691 000 euros contre 2 millions 2 en 2020. Les dépenses réelles s'élèvent à 2 millions 7. Les recettes réelles proviennent, comme cela vous a été dit, pour 5,4 millions des certificats d'économie d'énergie et pour 934 000 euros des redevances d'exploitation et forfaitaires versées par la SCU, qui est le délégataire de la distribution d'énergie calorifique. Il vous est par conséquent demandé de bien vouloir reprendre au budget primitif les résultats de l'exercice 2020, d'adopter le budget primitif du budget annexe de chauffage urbain pour l'exercice 2021, et d'autoriser M. le maire à rechercher les subventions les plus larges pour la réalisation des projets inscrits au budget. Avis favorable à la majorité en commission des finances, M. le maire. Merci, M. Pessac. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix le budget de chauffage urbain. Ceux qui sont favorables. Les abstentions, les votes contraires, le budget chauffage urbain est adopté. Monsieur Pellissolo, le rapport suivant. Oui, monsieur le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet les subventions communales en faveur des associations et autres organismes locaux pour l'exercice 2021. Les associations cristoliennes sont des acteurs majeurs de la solidarité et de l'épanouissement de chacune et de chacun, comme nous l'avons déjà évoqué ce soir. Dans la crise sanitaire inédite que nous traversons depuis l'an dernier, le rôle des associations est encore plus crucial, permettant de lutter contre l'isolement et de venir en aide à nombre de personnes fragilisées de manière complémentaire et coordonnée avec les actions de la commune. De plus, lorsque le temps de la sortie de crise sera venu, nous l'espérons le plus tôt possible, le tissu associatif constituera un levier essentiel et porteur d'espoir pour un retour à la vie normale et une réparation collective de toutes les blessures liées à la crise sanitaire et sociale. Pour ces raisons, comme vient de le souligner précédemment notre collègue Joël Pessac, la commune fait le choix de poursuivre son engagement ancien auprès des acteurs associatifs, et cela malgré un contexte budgétaire contraint, pour qu'ils puissent maintenir au mieux leurs activités et leurs structures. Ainsi, l'enveloppe de subvention qui vous est proposée d'approuver s'élève à 9 224 491 euros, c'est-à-dire quasiment le même montant qu'en 2020, à 39 000 euros près. À cet effort volontariste s'ajoutent les exonérations exceptionnelles de loyers décidées en faveur des associations locataires du pacte communal. Les champs d'activité couverts sont d'une grande diversité pour de nombreux publics différents, du sport à la culture en passant par la solidarité et l'éducation. Compte tenu de l'impact différencié de la crise sanitaire sur les équilibres financiers des associations, une analyse approfondie des situations financières de chacune d'entre elles a été menée, comme chaque année, afin d'ajuster le montant de la subvention communale aux besoins de financement précisément identifiés. Il vous est ainsi proposé d'examiner, notamment dans le rapport et les annexes à votre disposition, premièrement, les subventions qui ont été modulées à la baisse pour 14 associations selon des critères circonstanciés d'activité et de trésorerie en concertation avec leurs dirigeants, ainsi que des subventions nouvelles pour 2 associations menant des actions de solidarité. Deuxièmement, les subventions exceptionnelles versées à 8 associations pour des événements ou activités particulières pouvant se tenir en 2021.
Troisièmement, les subventions spécifiques au contexte sanitaire pour venir en aide à des associations ou organismes locaux en difficulté ou d'autres subventions liées à des actions ciblées comme le contrat enfance-jeunesse ou des projets du contrat de ville. Et enfin, quatrièmement, des subventions à d'autres organismes locaux, dont les collèges et lycées pour l'organisation des séjours éducatifs, ou encore l'Office municipal des sports ou le Festival international des films de femmes. En raison des incertitudes évidentes qui persistent encore sur le déroulement des activités pour les mois qui viennent, le versement de certaines subventions sera conditionné par la possibilité de mise en œuvre effective des actions prévues. Par ailleurs, la commune inscrit au budget une enveloppe prévisionnelle de 50 000 euros afin de répondre aux éventuelles difficultés que pourraient rencontrer les structures en termes de trésorerie. En conclusion, chers collègues, il vous est demandé d'approuver l'ensemble de ces propositions à hauteur de 9 216 045 euros pour les subventions aux associations et organismes privés, à hauteur de 8 446 euros pour les subventions aux collèges et lycées publics, et d'autoriser M. le maire à signer les conventions et les avenants pour les subventions supérieures à 23 000 euros, ainsi que toutes les conventions et avenants avec les associations sportives subventionnées. Avis favorable de la majorité, à la majorité à la commission des finances. Merci, Merci. M. Pellissolo. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, madame. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, nous constatons une stabilité concernant les subventions aux associations par rapport à l'année dernière et nous en prenons acte. Toutefois, étant toujours en période de crise pandémique, nous aurions espéré exceptionnellement que l'attribution des subventions vers les associations sportives, au vu de la faible activité due aux fermetures des structures et à l'impossibilité des pratiques sportives en groupe, ne soit pas quelque peu diminuée et redistribuée vers les associations venant en aide aux Cristoliens pendant cette période difficile. Certes, une économie d'environ 136 000 euros a été réalisée en réduisant certaines associations, mais nous aurions peut-être pu redispatcher cette somme sous forme de subventions exceptionnelles et temporaires vers ces associations qui aident nos concitoyens en difficulté, encore plus par les temps qui courent. Je vous remercie. Jérôme. Oui, monsieur le maire, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette situation de crise, les associations sportives, comme on peut le penser, ont des difficultés effectivement pour fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'elles ne fonctionnent pas et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de charges réelles. Comme je l'ai dit, les licences payées par les fédérations ne sont pas remboursées par les fédérations. Donc elles ont des dépenses incompressibles. L'US Créteil, comme l'OMS, font l'objet effectivement de réajustements, mais il nous semble important dans cette période de crise, un, de maintenir politiquement notre soutien vis-à-vis des bénévoles qui continuent à travailler et qui continuent à œuvrer et en particulier à faire preuve d'imagination. Hein, j'invite par exemple le mercredi après-midi les membres de cette assemblée à venir par exemple sur le plateau de la Lévrière pour voir l'association, en l'occurrence gymnastique, sortir les poutres et faire de l'activité sportive en plein air, ou même l'escrime. Donc il y a des activités, coûte que coûte, et il y a des dépenses incompressibles. Et n'oublions pas aussi qu'en particulier pour les jeunes qui se sont inscrits, eh bien, il va falloir rembourser au prorata des mois qui n'auront pas été utilisés en termes d'activité. Donc il ne faut pas uniquement regarder la somme, il faut aussi regarder le travail qui est fait et aussi le soutien qui est donné au niveau des bénévoles. Et la relance, nous le pensons à partir de septembre, en particulier des activités sportives et donc évidemment d'un début, au moins d'un trimestre plein, qui devra permettre effectivement une activité sportive. Je profite juste de cette intervention pour dire qu'évidemment, à titre personnel, je voterai l'ensemble des subventions, mais je m'abstiendrai de voter pour le lycée Saint-Exupéry étant le proviseur de l'établissement. Merci. Je crois que d'une manière générale, la méthode qui a été mise en place est la bonne. C'est-à-dire, nous avons eu un dialogue très franc et direct avec les associations
quand il y avait des possibilités avec elle de réaliser une économie, cela a été fait. Et qu'on a aussi anticipé par rapport à des difficultés à venir en prévoyant les moyens qui permettront de rétablir telle ou telle situation. Alors c'est vrai au niveau sportif, mais c'est vrai d'une manière générale avec l'ensemble des associations. D'autres questions ? Olivier ? Levez la main, voilà. Voilà, là c'est bon. Oui, non, c'était simplement pour indiquer que, comme chaque année, étant membre de l'exécutif de l'US Créteil, je ne participerai pas au vote. Merci. Je mets au vote le rapport. Ceux qui sont pour, contre, abstention. Le rapport est adopté. Le rapport suivant, Madame Simondec, je crois. Oui, oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet de délibérer sur les demandes de subventions dans le cadre du plan de relance lancé par le gouvernement et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter des subventions dans ce cadre. En effet, pour répondre aux conséquences économiques de la crise sanitaire, le plan de relance prévoit un certain nombre de pistes de financement à destination des collectivités territoriales. Les trois priorités du plan de relance sont la transition écologique, la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale et territoriale et concernent des projets à lancer avant la fin de l'année 2021, réalisés dans les deux prochaines années. Notre ville, vous le savez, apporte un soutien fort au développement local, au développement durable, en faveur de tous. À ce titre, nous avons déjà sollicité la dotation de soutien à l'investissement local pour la création de jardins familiaux à l'île Brespin et la rénovation de la place Giraudoux. Nous allons déposer de nouvelles demandes concernant, par exemple, la requalification de l'avenue du Général Gallieni, mais aussi, dans la thématique de la transition écologique, le remplacement d'une façade de l'école du Jeu de Paume et le raccordement des résidences du secteur du Colombier au chauffage urbain. Et nous continuerons à déposer de nouvelles demandes dès que cela sera possible, tant nos projets en la matière sont nombreux et attendus. Une autre thématique du plan de relance est celle de l'inclusion numérique, dans le but de favoriser une appropriation accélérée aux nouveaux usages et services numériques pour tous. À titre d'exemple, la commune sollicitera une subvention de 145 000 euros pour des équipements de sécurisation du réseau, des abonnements fibres et des postes de travail informatique dans les écoles. Elle soumettra également des dossiers pour financer sa stratégie du numérique pour tous. La commission s'est prononcée à l'unanimité en faveur de ces démarches de demande de subvention. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, Monsieur Ebrecht ? Oui, juste, Monsieur le maire, juste pour avoir une idée, puisque le plan de relance d'autres pays va dépendre également du plan de relance européen lancé au niveau de l'Europe. Il n'est pour l'instant pas tellement voté. Donc juste pour savoir si vous, de votre côté, côté par la préfecture ou par l'État lui-même, vous avez déjà des informations quant à la possibilité de voir un jour ces demandes arriver, parce que là, on nous parle de 4 milliards, mais pour l'instant, je ne suis même pas certain que les 4 milliards soient actuellement actés par le gouvernement. Donc, je voulais savoir simplement si vous avez des informations à ce sujet. J'ai cru comprendre que le gouvernement était impatient de recevoir l'argent de l'Europe. Mais j'en sais pas davantage. Je ne peux pas vous en dire davantage. Est-ce qu'il y a des avis contraires ?
Des abstentions ? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Madame Simondeck, toujours. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet de rappeler à notre conseil le bilan des acquisitions et cessions réalisées en 2020 par la commune. Donc, la commune a acquis des délaissés de voirie pour 1 euro symbolique. La commune a cédé un local d'activité et une parcelle de terrain pour 171 050 euros. Ces opérations ont toutes déjà fait l'objet de délibérations du conseil municipal et permettent de mettre en œuvre la politique d'aménagement. Ce bilan a été approuvé à l'unanimité en commission. Même vote en séance. Le rapport suivant, M. Pessec. Non, il l'a déjà présenté. Il l'a déjà présenté. Il y en a un autre après. C'est à moi, si ça ne vous ennuie pas. À Madame Deck, alors. Allez, je continue et j'en finis, je vous rassure. Donc, ce rapport a pour objet de présenter au Conseil l'utilisation faite par la commune des financements reçus en 2020 au titre du FSRIF et de la DSU. Alors, la commune a perçu en 2020 du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France 5 067 197 euros. Qu'elle a consacré à l'amélioration des conditions de vie des habitants, notamment dans les domaines éducatifs, culturels, de loisirs et en faveur des personnes handicapées, mais aussi en renforçant ses actions en matière de prévention et de sécurité par une présence active sur le terrain. La commune a perçu en 2020, au titre de la dotation de solidarité urbaine, 6 470 392 euros qu'elle a consacré à la réalisation d'actions de développement social urbain, qu'il s'agisse de travaux de sécurisation, de subventions au centre communal d'action sociale ou de participation au financement d'équipements socioculturels. La ventilation des financements pour ces différentes actions figure en annexe au rapport, vous l'avez tous consulté. Les commissions finances et éducation ont pris acte de la communication de ce rapport annuel et proposent à notre conseil d'en faire de même. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ou d'explication ? Non, donc c'est un don acte. Monsieur Pessac, le rapport suivant. Monsieur le maire, mes chers collègues, l'Agence France Locale est un établissement de crédit qui a été créé par les collectivités territoriales qui en sont ses actionnaires afin de remédier aux difficultés d'emprunter rencontrées lors des crises financières de 2008 et 2011. Les statuts de l'agence lui permettent d'emprunter directement sur les marchés financiers, sans intermédiation, donc sans frais bancaires. Un mécanisme de garantie à première demande crée un lien de solidarité entre l'agence et chacun de ses membres. Disposant ainsi d'un bon rating, elle est à même de prêter aux collectivités à des conditions satisfaisantes au vu de leur situation financière. Je vous rappelle que notre conseil municipal a voté son adhésion à l'agence en avril 2015. Depuis lors, notre ville de Créteil, a régulièrement souscrit des emprunts auprès de l'agence, qui propose également des crédits de trésorerie. Elle est ainsi devenue l'un des principaux prêteurs de la commune. Comme chaque année, et pour être à même de solliciter ces financements, il revient au conseil municipal de prendre une délibération octroyant la garantie communale correspondant au montant de l'encours de sa dette vis-à-vis de l'agence, chaque emprunt nécessitant l'émission d'un engagement de garantie. Il vous est par conséquent demandé de bien vouloir accorder la garantie de la commune à certains créanciers de l'agence France Locale afin de pouvoir souscrire auprès d'elle une ou plusieurs lignes de crédit ou d'emprunt en 2021. Avis favorable à la majorité en commission des finances. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Monsieur Ebrech. Oui, monsieur le maire, j'ai lu que cette année déjà, nous avions émis un emprunt vers cette agence France Locale de 3 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Et comme l'a souligné très justement M. Pessac, nous avons emprunté déjà depuis un petit moment et
à cette agence. Et nous aurions bien aimé savoir actuellement, enfin, on peut peut-être le trouver dans le budget, vous me direz, je n'ai pas regardé tout le budget sur ce plan-là, sur ce poste-là, à savoir combien nous en étions d'emprunt avec la France locale. Et effectivement, avoir une idée quand même d'un taux d'intérêt, je suppose, qui doit quand même exister, même s'il est très faible, par rapport à cette agence France locale. Pour lesquels, vous savez très bien, nous avons toujours quelques doutes quant à son fonctionnement, simplement. Pas sur le principe, parce qu'effectivement, s'il prête à des taux très intéressants et facilement aux collectivités, son fonctionnement de garantie vis-à-vis des autres nous oblige quand même à beaucoup de choses qui peuvent être inquiétantes, suivant les défauts que pourraient avoir certains membres de cette agence dans le temps, surtout dans cette période si compliquée. Monsieur Piessac. Bien, monsieur le maire. L'agence, à l'heure actuelle, enfin, au 1er janvier 2021, nous avions un encours d'un peu plus de 17 millions d'euros auprès de l'agence. Les 3 millions dont vous faites état, monsieur Ebrecht, sont 3 millions qui ont été inscrits au budget 2020, qui n'ont pas été tirés, c'est-à-dire décaissés au 31 décembre 2020, mais qui l'ont été au cours de l'année 2021. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, notre encours auprès de l'agence est d'un peu plus de 20 millions d'euros. Ce qui fait que l'agence est le juste très peu le premier prêteur de la ville de Créteil. D'où l'intérêt d'avoir souscrit auprès de cette agence qui offre des conditions financières tout à fait satisfaisantes, puisque comme je l'ai souligné, il n'y a pas d'intermédiation, donc pas de frais bancaires. Maintenant, en ce qui concerne la garantie, puisque nous sommes actionnaires de l'agence, les seuls actionnaires de l'agence sont des collectivités publiques territoriales, c'est-à-dire des régions, des grandes villes, des départements, et la ville de Créteil fait partie donc des actionnaires de cette agence. Concernant le risque que vous craignez, monsieur Ebrecht, je n'ai pas connaissance de collectivité territoriale qui ait fait faillite, puisque je n'en ai jamais connu aucune qui se soit trouvée dans cette situation. Ça n'est pas possible. Il y a peut-être des mesures de redressement qui peuvent être prises pour des collectivités territoriales qui seraient en grande difficulté, mais jusqu'à présent, aucune collectivité territoriale n'a fait faillite, ce qui fait que cette agence bénéficie d'une excellente notation sur les marchés et emprunte sans difficulté. Je crois que M. Ebrecht a demandé le taux moyen. Je n'ai pas le taux moyen de l'agence. Ça figure de l'encours. L'encours, c'est 17 millions je crois, 17 millions, un tout petit peu plus de 17 millions au 1er janvier 2021. Et compte tenu du fait que nous avons décaissé le prêt qui avait été accordé, enfin, dans le cadre du budget 2020, non encore décaissé au 31 décembre 2020, mais décaissé depuis lors, c'est-à-dire au cours du premier trimestre 2021, nous avons en encours un tout petit peu plus de 20 millions d'euros, c'est-à-dire 17 millions d'euros, plus les 20 millions. Plus les 3 millions, pardon. Ce qui fait 20 millions d'euros. Bon, mais le taux moyen, il est compétitif. Le taux moyen est extrêmement compétitif, puisque à chaque fois, nous lançons un appel d'offres, à chaque... lorsque nous votons le budget, juste après avoir voté le budget, nous lançons un appel d'offres auprès de l'ensemble de nos partenaires bancaires, hein, que je ne vais pas rappeler ici, ce sont les banques traditionnelles, plus l'agence France locale. Et bien évidemment, nous étudions et comparons les offres qui nous sont remises et nous empruntons auprès des meilleures conditions de crédit du plus offrant. Donc c'est à chaque fois. Et vous avez, dans le détail de la dette, vous avez mentionné à la fois le montant qui a été souscrit, le montant qui reste en encours au 31 décembre ou 1er janvier de l'année, ainsi que les conditions financières exactes, c'est-à-dire soit sur des taux variables Euribor plus marge, soit le taux fixe, le cas échéant, lorsque nous empruntons un taux fixe, qui est indiqué dans les documents budgétaires détaillés, c'est-à-dire en annexe de ce qui est, du rapport qui vous a été remis. M. Ebrecht, vous avez suffisamment d'explications. On n'a pas voté. Alors, ceux qui sont favorables,
Les avis contraires? Les abstentions? Le rapport suivant, Madame Perrault. Monsieur le maire, chers collègues, dans le cadre de futures passations de marché public, il vous est proposé de valider la constitution d'un groupement de commandes entre la commune de Créteil et l'établissement public territorial GPSEA et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention constitutive ainsi que d'autres documents afférents après l'avoir adopté. Ce groupement nous permettra d'optimiser les dépenses, de lancer des consultations uniques et de sécuriser juridiquement les achats soumis au Code de la commande publique publié le 5 décembre 2018. Conformément aux dispositions de l'article L213-7 de ce même Code, il convient de définir les règles de fonctionnement dans la convention constitutive du groupement de commande. Il vous est proposé que la commune soit le coordonnateur et que la commission d'appel d'offres compétente dans le cadre de la passation de ces marchés soit celle de la commune. Rapport adopté à la majorité lors de la commission de finances. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Unanimité. Madame Torchmann, le rapport suivant. Oui, mes chers collègues, c'est le rapport classique qui permet d'adapter les réussites au concours et les transformations de grade. Donc vous verrez, je vais vous épargner la lecture du rapport, que ça concerne effectivement plusieurs services, tant le service des sports que le service de la culture. Donc vous verrez qu'à chaque fois, nous supprimons et plus. Correctement, voilà. Donc ce rapport a été adopté à l'unanimité. Même vote en séance. Le rapport suivant, Madame Torchmann. Oui, il s'agit, comme tous les ans, de créer des emplois saisonniers pour remplacer les agents qui sont en congé. Pas de modification cette année. 25 agents en juillet, 25 agents en août. Rapport adopté à la majorité. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Madame Torchmann, toujours. Comme vous le savez, la commune, ainsi que toutes les communes d'ailleurs, décident des prestations d'action sociale qui sont versées à ses agents. Ces prestations ne font pas partie du salaire. Vous verrez qu'il y a toutes les prestations qui sont détaillées et les montants ont été modifiés. C'est pour ça qu'il vous est proposé d'abroger la délibération du 24 juin 2019 et d'adopter le nouveau dispositif de prestations d'action sociale versé par la commune. Ce rapport a été adopté à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Il n'y en a pas, donc le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, M. Brault. Oui, M. le maire, chers collègues. Le présent rapport concerne donc les modifications des modalités de versement de la participation donc de la commune de Créteil aux cotisations acquittées au titre des employeurs par les agents pour la réassurance complémentaire santé. Précédemment, ces cotisations étaient versé deux fois par an, afin de simplifier pour les salariés et les agents de la ville la situation. Il y a donc une adaptation qui est proposée ce soir, suivant que les agents aient souscrit auprès de la MNT ou d'une autre mutuelle. Et il est proposé donc d'une part, en certains cas, le versement de cette participation soit versé 60% de son montant tous les mois, dans le cas de la MNT, et dans l'autre cas, versé annuellement. Ce rapport donc, a été adopté à l'unanimité de la Commission des finances. Je vous remercie. Merci. Pas de demande d'intervention ?
Si j'ai bien compris, il y a unanimité sur ce rapport. Le rapport suivant. Alors, le rapport suivant concerne la mise en place du télétravail pour les agents communaux et les modalités donc de cette mise en place, de cette mise en œuvre. Le développement et la généralisation des technologies d'information et de la communication donc, génèrent de nouvelles formes, de nouvelles possibilités d'organisation du travail. Et dans ce cas précis, il y a bien sûr le meilleur comme le pire. Et donc l'important est donc de ne pas craindre d'expérimenter de nouvelles formes d'organisation. Mais il s'agit bien sûr, en ce qui nous concerne, de veiller à ce qu'elles tiennent compte à la fois des nécessités de service et d'autre part, bien sûr, des droits des agents. La pandémie de la Covid a conduit donc de nombreux services, administrations et activités économiques de manière générale à adopter donc ces nouvelles technologies. Et une chose est sûre, c'est que nous ne reviendrons pas demain sur le développement de ces techniques. Aussi, nos services ont-ils entamé un travail avec les organisations syndicales représentatives et les comités compétents pour en encadrer les modalités de mise en place au sein des services municipaux, en respectant donc les spécificités de certaines activités, la qualité du service, bien sûr, pour nos concitoyens, mais aussi les droits et libertés de nos agents. Et donc, après consultation des instances paritaires, il nous est proposé aujourd'hui d'adopter donc ce cadre général à travers donc cette charte qui était en annexe de ce conseil municipal. La commission des finances donc a émis un avis unanime favorable et donc il nous est proposé ce soir de l'adopter. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'information, Monsieur Ebrech? Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai lu avec attention sur cette charte du télétravail qui est très exhaustive et très complète. Je dois reconnaître qu'il y a un travail énorme qui a été fait là-dessus. Juste, je pense que maintenant que les commissions, ça fait malheureusement pratiquement un an que beaucoup de nos agents sont sûrement contraints ou acceptent facilement ce télétravail. Vis-à-vis des organisations syndicales et du SCT, est-ce que vous avez déjà une idée à peu près du nombre de nos agents qui sont donc en télétravail depuis tout ce temps? Si vous avez déjà pu finaliser peut-être une enquête pour savoir le nombre d'entre eux qui souhaiteraient peut-être continuer en télétravail, ça c'est une question qui se pose dans les grandes entreprises. Et également, savoir si vous maintenez toujours les 2 jours en présentiel et 3 jours en distanciel, ou si vraiment certains sont toujours en distanciel toute la semaine, ou comme le gouvernement semblait souhaiter ces derniers temps, ramener à 1 seul jour de présentiel et 4 jours en distanciel, enfin en télétravail. Donc, savoir à peu près ces questions simplement de pure forme et pour avoir une idée à peu près de nos agents qui ont été consultés là-dessus, monsieur le maire, parce que je pense que c'est quand même, on s'en rend compte, et je voudrais finir là-dessus, que si au début, dans le premier confinement, cela a été passé d'une façon assez facile, et là je rebondirai sur certains propos qui ont été tenus lors de ce débat précédent, c'est effectivement, nous avons quand même, on constate maintenant que beaucoup de personnes commencent à ressentir un peu difficilement ce télétravail, qui était peut-être très bien au début et très agréable avec les enfants. Maintenant, on se rend compte, et je rejoindrai là-dessus notre éminent collègue, M. Le Guillou, qui nous parlait effectivement des problèmes avec les jeunes lycéens, instituts et les parents, qui sont des fois des problèmes aussi de vie quotidienne, qui, je pense, sont à prendre en compte, en dehors de la charte que vous avez faite, qui, je l'ai dit, était très très bien, mais qui pose, à mon avis, maintenant un véritable problème d'organisation pour beaucoup de personnes, que ce soit nos agents ou même dans le privé, on s'en rend compte aujourd'hui. Bon, là, actuellement, on est dans une situation un peu exceptionnelle, mais il faut tirer aussi les leçons et les conséquences de ce qu'on apprendra tout au long de cette période sur le plan du télétravail comme dans d'autres domaines. Actuellement, on doit être à peu près à 50%. 350 agents à peu près qui télétravaillent. Ça fait combien ? Ça fait 20% à peu près. Parmi le personnel administratif essentiellement, là on est à 350 agents. Avec un présentiel sur 2 jours. Oui, on demande que les gens soient au moins là 1 jour. Un jour. Minimum 1 jour. Bon, mais tout cela est susceptible d'évolution au fil du temps. Oui.
Oui, je disais effectivement, est-ce qu'on a une idée d'à peu près la proportion de nos agents qui continuent? Vous avez des retours, je pense, au niveau de l'administration, des services, s'ils acceptent plus facilement ou si ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, ça que je voulais savoir un petit peu, parce qu'effectivement, c'est quand même... Il faut sortir de la pandémie pour pouvoir tirer des... Parce que juste la dernière question que je voulais vous poser là-dessus. Définitif. Voilà. Parce que la dernière question que je voulais vous poser là-dessus, est-ce que c'est après, une fois sorti de la pandémie, qui j'espère sera prochaine avec les vaccinations et tout ça, est-ce que vous continuez, est-ce qu'on doit continuer à maintenir ça ou on ramènera toujours tout le monde en présentiel, quoi? C'est ça la question. Au final. En principe, on ira vers un maintien du télétravail dans des conditions qui seront certainement différentes d'aujourd'hui. Monsieur Brault. Oui, mais justement, enfin, l'objet de cette charte, et M. Ebrecht nous a rappelé qu'il l'avait lu avec attention, c'est justement, au-delà de la pandémie, de penser cette forme d'organisation du travail. Et donc, dans le cas précis, ce qui est proposé dans la charte, et j'incite bien sûr chacun à en prendre connaissance, c'est bien 2 jours de présentiel et 3 jours possibles de télétravail, qui sont susceptibles d'être discutés, bien sûr, avec la hiérarchie dans chacun des services et en fonction des types d'emplois concernés, en fonction aussi de la capacité d'autonomie de chacun des agents, et en tout état de cause, reconductible ou non, après un an, et susceptible donc d'être modifié à tout moment. Par ailleurs, et pour répondre à la question de Thierry Ebrecht, l'enjeu, c'est bien sûr de pouvoir en faire régulièrement un bilan. Et donc, l'idée dans la charte, et c'est déjà exposé clairement, c'est d'en faire un bilan annuel, de telle sorte qu'avec les organisations représentatives, au sein des comités compétents, il soit possible d'en faire effectivement, d'en tirer expérience et d'adapter en conséquence le dispositif. Merci. Pas d'avis contraire. Monsieur Lerard, le rapport suivant. Monsieur le maire, chers collègues, chers amis, donc il s'agit d'un local. Il s'agit d'une cession d'un local par la Créteil Habitat Sémic au profit de la commune. D'un local d'une superficie de 119 mètres carrés à l'euro symbolique. Donc, en sa qualité d'aménageur de la zone d'aménagement concertée des Coteaux des Sarrasins, Créteil Habitat est propriétaire d'un local constituant le lot numéro 302 de la copropriété Le Clos Fontaine, 660 Claude Nicolas Ledoux, à Créteil, d'une superficie de 119 mètres carrés. Donc, conformément à la convention de concession d'aménagement de la ZAC des Coteaux des Sarrasins, conclue entre la commune et Créteil Habitat et sa qualité d'aménageur, il a été convenu que ce local soit cédé à la commune en l'état brut de béton, afin qu'elle y implante des services de la direction de la jeunesse. Donc, la cession de ce bien cadastré, section A0 numéro 116 et consenti à l'euro symbolique, local étant affecté à l'exercice d'une activité de service public. Les travaux d'aménagement intérieur de ce local étant à présent achevés, il convient que la ville en devienne propriétaire. Il vous est donc proposé de bien vouloir approuver la cession par Créteil Habitat Sémic à la commune du local de cette superficie de 119 mètres carrés, situé 60 rue Claude-Nicolas Ledoux, tel est présenté ci-dessous. Approuver son incorporation dans le domaine public communal dès la signature de l'acte notarié, dire que cette acquisition se fera à l'euro symbolique, conformément aux accords passés entre la commune et l'aménageur de cette ZAC, Créteil Habitat Sémic. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte authentique et tout le document afférent. Inscrire cette dépense au budget communal. Ça a été voté à l'unanimité en conseil. Merci Albert. Même vote en séance, Monsieur Ebrecht. J'ai une question, Monsieur le maire. Oui, bien sûr, nous approuvons l'acquisition de ce local sans aucun problème. Juste une petite précision, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien lu, mais l'aménagement a donc été fait, comme c'est signalé dans le rapport. Et c'est bien celui qui a été, on voit apparaître dans les lignes budgétaires, à 600 000 euros. 600 000 euros, c'est guisé. Ou 60 000, je sais plus, j'ai vu un chiffre, non, c'est pas celui-là. Alors. Non, j'ai vu passer un local qu'on a rééquipé. Non, 5 000 euros, c'est guisé. C'est gisé.
Ah, chez Gizet, d'accord. C'est le local Gizet. Ah, mais c'est pas celui-là, d'accord, ça n'est pas plus. D'accord, ok. Non, c'est pas celui-là, ok. Qui est mis à la disposition du comité de quartier. Oui, c'est celui-là, d'accord, ok. C'est celui de Gizet, d'accord, c'est celui d'après, alors. D'accord. Pour moitié. Pour moitié, le comité de quartier, l'autre moitié, je crois, les services des parcs et jardins. D'accord. Donc, unanimité sur rapport. Oui. Madame Sol, le rapport suivant. Ça marche pas. Ah, ça y est. Excusez-moi. Il s'agit d'une délibération rectificative. Le 5 octobre 2020, nous avons approuvé la cession par la commune au profit de Madame Mailleron et Monsieur Lafarguette d'un terrain d'une superficie de 1,38 m², 35-37 rue de Beaune. Or, il a été omis de mentionner l'approbation du déclassement de fait du dit terrain. En conséquence, il nous est demandé de modifier la délibération du 5 octobre, d'approuver le déclassement du domaine public communal de la dite partie du terrain et dire que les autres dispositions de la délibération restent inchangées, unanimité en commission urbanisme. Merci. Donc, madame va pouvoir récupérer sur mètre 38. Pas d'objection. Monsieur Ducamp, le rapport suivant. Voilà. Je vais vous présenter les deux rapports en même temps, d'un seul coup. En effet, en vous présentant succinctement les principaux chiffres et faits marquants de la saison de chauffage 2019-2020, je ferai ainsi une synthèse des deux rapports d'activité annuels présentés par la SCUC, Société de chauffage urbain de Créteil, pour la partie exploitation du réseau de chauffage, et d'autre part de l'usine Val-au-Marne pour sa production de chaleur pour ce même réseau de chauffage. Quelques éléments, donc on l'a déjà évoqué tout à l'heure, le taux d'énergie renouvelable atteint 63,7% pour cette saison de chauffe, soit un taux très largement supérieur aux 50% nécessaires pour bénéficier d'une TVA réduite à 5,5% au lieu des 20%. D'un point de vue énergétique, le bon fonctionnement de la géothermie sur cette saison de chauffe, près de 17%, et de la pompe à chaleur, près de 5%, ont permis de contrebalancer donc la baisse de fourniture issue de l'usine Val-au-Marne, baisse uniquement en raison des travaux de réalisation du troisième tube reliant l'usine à la chaufferie du palais. La mise en service de ce troisième tube va permettre d'augmenter la fourniture de chaleur en provenance de Val-au-Marne, en passant de 118 000 MWh contractuels à 160 000 MWh contractuels, et permettra ainsi d'engager une extension significative du réseau de chauffage, dans un premier temps vers le Colombier, puis vers le Triangle Les Chats et le centre hospitalier intercommunal de Créteil. D'un point de vue économique, je vous rappelle que la fourniture de chaleur par Val-au-Marne est d'autant plus intéressante financièrement pour les cristoliens, puisque le prix hors taxe du mégawattheure en provenance de Val-au-Marne est en moyenne de 24,54 € contre un peu plus de 36 € pour le gaz. Il est à noter que la facture annuelle moyenne aux abonnés pour un logement type de 3 pièces est de 578 € TTC, soit une baisse par rapport à la saison précédente de 6,6%. Enfin, la troisième liaison entre l'usine Val-au-Marne et la chaufferie du Palais a pu être livrée et cette opération a été valorisée au titre des CEE, certificats d'économie d'énergie, pour un montant de près de 6,5 millions TTC, dont 60%, soit 3,9 millions d'euros, reviennent à la commune et permettra donc ainsi de financer l'extension du réseau prévu vers le Colombier. Voilà, Monsieur le maire, il s'agit donc de deux dons actes pour les deux rapports précités. Merci, Monsieur Ducamp. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Non ? Non, c'est un... Monsieur Wesch ? Non ? Je ne sais pas, je vous voyais remuer la tête. Euh,
j'aimerais comprendre quelque chose, parce qu'on nous parle effectivement du réseau Val-au-Marne qui fonctionne très bien, qui nous fournit de la chaleur. Mais si je reprends la deuxième page du premier rapport, on nous dit que le réseau de chauffage urbain comporte les installations suivantes. 10 chaufferies principales fonctionnant toujours au fioul et au gaz pour 257 MW. Et une sous-station de récupération de la chaleur d'incinération, elle est 24 MW, et puis de géothermie 13, pompe à chaleur 7, ce qui fait grosso modo 44 MW. Et la cogénération, mais ça, la cogénération, vous êtes d'accord avec moi, 22 MW, c'est un peu un truc particulier. Ce n'est pas encore vraiment à considérer comme étant quelque chose de purement, je dirais, de l'énergie récupérée. Donc finalement, si on regarde bien ça, on n'a quand même que 44 MW de fourniture de chauffage urbain de récupérer sur du gaz et du fioul qui reste quand même à 257 MW. Donc on a quand même toujours une grosse, grosse partie de notre chauffage qui provient du gaz et du fioul. Et pour revenir à ce que disait M. Ducamp, justement, c'est pour ça que je voudrais bien avoir des explications, parce que où je comprends mal, c'est l'explication que je voudrais avoir là-dessus. C'est sur ce petit paragraphe qui a été mis au début, je n'avais jamais fait attention, je ne l'avais pas vu les autres fois, mais qui me choque un peu sur le principe, voilà. Où je pourrais avoir des explications, tout du moins. Monsieur Ducamp. J'avoue ne pas avoir très bien compris la question de M. Ebrecht. Vous avez un descriptif de l'ensemble des installations qui fournissent effectivement de l'énergie au niveau donc du réseau de chauffage, mais ensuite la quantité donc d'énergie qui provient donc de chaque entité provient effectivement en majorité donc de l'usine d'incinération de la pompe à chaleur et de la géothermie à plus de 60%, 63,7% sont mis dans le réseau et un peu moins de 40% pour le gaz. Le fioul. Le gaz et le fioul, très très peu. Hein. Le fioul, c'est vraiment très limite. Hein. C'est essentiellement du gaz qui est utilisé. C'est ce qui explique les 64% d'énergie renouvelable. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais par contre, toutes les autres installations sont nécessaires, notamment quand, pendant certaines périodes, il y a des travaux ou une baisse de production au niveau de l'usine d'incinération, il y a un relais qui est pris par les différentes chaufferies complémentaires qui sont remises en service. Bien, le rapport suivant, M. Ducamp. Oui, M. le maire. Donc, je commencerai d'abord par rappeler que depuis les années 70, le bailleur Sagi, devenu aujourd'hui donc CDC Habitat, est propriétaire du parking en ouvrage de 544 places dans le quartier de la Haie-aux-Moines. En 1994, afin de permettre une meilleure utilisation des emplacements disponibles dans ce parking face à une forte demande dans ce secteur, il a été vu avec la SAGI donc la possibilité donc d'exploiter que la ville exploite ce parking comme un parking public, tout en respectant la répartition proposée donc par la SAGI, à savoir 309 places en placement privatif, soit 58,6% du total, réservé donc à ses propres locataires, et 235 emplacements, soit 43,2%, ouverts à du stationnement public. Une convention donc alors d'exploitation a été faite et signée avec la SAGI, qui est restée bien sûr le seul propriétaire du parking, aujourd'hui CDC Habitat, a été signé donc pour une période de 25 ans. Cette convention étant arrivée à échéance, une nouvelle convention avec CDC Habitat vous est présentée pour une durée de 15 ans. Et cette convention précise les modalités de répartition des charges entre la ville et CDC Habitat. Elles sont relativement peu différentes de la convention précédente. Par ailleurs, les derniers travaux d'envergure datant de 1994, les parties ont décidé d'engager conjointement une nouvelle opération de rénovation d'ampleur de ce parking. Le montant estimatif de ces travaux, qui sont détaillés donc, dans l'annexe du rapport, s'élève à 1 180 000 euros hors taxes. Ces travaux débuteront donc par la rénovation complète de la vidéosurveillance en 2021, mais concernent vraiment très largement l'amélioration intérieure du parking, les mises en peinture, rénovation au niveau de l'éclairage de sécurité, les peintures des circulations et des sols en résine, ainsi qu'une reprise également donc du ravalement extérieur.
Il vous est proposé donc d'adopter cette convention et d'autoriser monsieur le maire donc ou son représentant à signer la convention, adoptée à l'unanimité en commission urbanisme. Merci monsieur Ducamp. Monsieur Wesch. J'anticipe. Même pas la liberté de lever la main. Ah, non. Les verts sont pas loin ici. Hein. C'est... Et quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Je ne comprends pas, monsieur le maire, que l'intervention de notre collègue l'autre fois en commission vous ait à ce point agacé. Nous sommes, tout comme rien, vous, nous sommes conscients que... Rien venant de vous ne m'agace. Pardon ? Rien venant de vous ne m'agace. Oh, alors, bon, c'est trop gentil pour moi, c'est bien ça. Pourtant, nous sommes tout comme vous conscients que des travaux doivent être engagés par la ville, comme décrit le rapport, conjointement avec la CDC, propriétaire de l'ensemble. Je rappelle qu'il y a déjà été procédé des travaux de peinture, murs, plafonds et sols en 2015 et 2017, et en 2021, pour la phase 3, des travaux de peinture sont à nouveau prévus. Souhaitons que ces travaux durent plus dans le temps qu'actuellement ce qui a été fait. Mais les vrais problèmes ne sont pas là, monsieur le maire, vous le savez comme moi, pour avoir été interpellé par nombre d'usagers de ce parking, c'est la sécurisation de ce parking par une meilleure vidéosurveillance, c'est prévu, un contrôle plus rigoureux des accès, l'arrêt du garage clandestin, et aussi de permettre peut-être d'éviter les vols dans les véhicules, comme cela nous a été plusieurs fois rapporté. En clair, de le rendre plus sûr pour encourager les habitants à l'utiliser. Cela évitera sûrement aussi de voir ainsi tous les véhicules stationnés au pied des immeubles. Pour cela, quitte à devoir informer, puis verbaliser et aussi faire enlever les voitures des plus récalcitrants. Je pense en disant cela aussi au rôle du gardien. Et d'ailleurs, vous faites très bien de rénover la loge parce qu'elle est dans un état assez déplorable. Donc je disais, je pense cela aussi au rôle du gardien, à qui l'on reproche trop souvent d'ouvrir la barrière, trop facilement, mais qui dans bien des cas, je le crains, se retrouve seul avec des personnes qui exigent cette ouverture, certaines fois de façon un peu agressive, semble-t-il. Nous savons par ailleurs, tous ici, que ce n'est pas avec les recettes de péage de ce parking que les travaux et ce fonctionnement sera rentabilisé, mais n'oublions pas malgré tout qu'il y a aussi des locataires qui paient leur place de leur parking à la CDC, des tarifs qui ont connu une certaine inflation, qui sont en droit de voir leur véhicule en sécurité. Juste un rappel pour conclure, en 2013, le loyer pour une place était de 35 euros, en 2017, il avait déjà bondi à 84 euros, et en 2019, il se relève à 142 euros. C'est pourquoi, sincèrement, monsieur le maire, nous voterons ces travaux qui permettront, j'espère, de rendre ce parking plus sécurisé, plus agréable, et d'encourager ainsi, comme je l'ai prédit précédemment, les habitants de ce quartier à venir l'utiliser plus souvent et plus rationnellement, et d'éviter d'autres problèmes sur la place. Voilà, monsieur le maire. Pour la raison pour laquelle nous voterons cette délibération. Oui, mais moi, je risque de ne pas le voter. Ah, ben, bah, voyez, je savais bien que je vous ferais plaisir au moins une fois. Hein. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Je ne suis pas sûr, et ça, c'est la faute à personne, si ce n'est à l'architecte qui a conçu ce quartier. Est-ce qu'on est certain que ce parking a une capacité qui permet à tous les résidents du quartier d'avoir une place. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que tous les résidents, qu'ils soient copropriétaires ou locataires, surtout certainement les locataires, réservent ou occupent, si vous préférez, leur place de parking? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une possibilité quand même avec la loi Besson où les locataires peuvent, quand ils sont dans un logement social, ne pas louer le parking. Je ne suis pas certain que ce soit le cas là parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un logement conventionné. Donc on se retrouve avec un parking qui, d'après ce qu'on me dit, à certains moments est saturé, avec des résidents qui n'ont pas toujours de place dans le parking, et pas seulement pour des raisons d'insécurité, et des visiteurs, ça existe,
des gens qui vont voir des amis dans le quartier, ainsi de suite, qui n'ont pas la possibilité de se garer et qui sont tenus de rentrer dans ce parking ou alors d'aller se garer d'une manière illicite sur les voies piétonnes et autres. Donc, on a une situation très délicate à gérer. Donc, c'est vrai, et nous prenons notre part, qu'il faut sécuriser ce parking, le rendre plus attractif, faire en sorte que le gardien soit en mesure d'exercer ses fonctions. Et ce n'est pas évident, vous l'avez dit, il est souvent menacé et compagnie. Et ensuite, dans l'hypothèse où le parking fonctionnerait bien, pouvoir s'assurer d'une manière ou d'une autre que les citoyens n'iront plus se garer à l'intérieur de la résidence. Et s'ils se garent, il n'y a pas d'autre solution que de sanctionner et éventuellement de procéder à des enlèvements de véhicules. Les deux mesures que je viens de vous indiquer ne sont pas les plus populaires. Et on le voit bien sur les réseaux sociaux, à travers les discussions qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Donc, nous avons une situation très délicate à gérer avec ce fameux parking qui est à l'entrée de la résidence et qui n'est pas toujours en mesure d'assumer complètement, je parle du parking, les fonctions, ou ses fonctions plutôt. Je ne vois pas non plus en permanence des gardes urbains sanctionner tous les véhicules qui se garent d'une manière illicite. Il peut y avoir des opérations coup de poing, mais on ne peut pas en permanence mobiliser plusieurs agents pour assurer le respect de la réglementation. Bon, mais je voterai quand même le rapport. Alain, je ne sais pas. Est-ce que déjà la capacité de ce parking est suffisante? C'est la première question qu'on devrait se poser. Avec 544 places, bon, il est bien utilisé. Hein. Il n'y a pas de saturation complète. C'est plus des problèmes un petit peu de facilité de la part d'un certain nombre, d'ailleurs, de riverains comme de gens extérieurs, d'essayer de forcer un peu le passage et rentrer sur la place. De se garer au pied de l'immeuble, c'est effectivement ce point-là. Mais il est rarement complètement saturé. Il y a une terrasse qui n'est quasiment pas utilisée. Hein. Il y a 80 personnes. Personne ne veut aller sur la terrasse. Non, personne ne veut aller jusqu'à la terrasse. Mais déjà, s'il était effectivement rénové, mieux éclairé, repeint, etc., je pense que ça sera un plus. Monsieur Ubrech. Vous mettez le doigt sur le problème aussi pour ce parking, effectivement, de la Haie-aux-Moines, mais le problème que vous avez soulevé et qui va plus loin, c'est effectivement de se demander si, dans plein d'endroits de notre ville, le Créteil, si nous avons assez de parking, s'ils sont assez utilisés, parce qu'effectivement, nous avons dans ce secteur-là particulièrement, effectivement, des problèmes pour se garer et stationner pour beaucoup de personnes. Non, mais là, on l'a plus qu'ailleurs, peut-être. Bien sûr. C'est la configuration Tout à fait. Des lieux qui exige que quand on rentre dans la résidence, on aille immédiatement au parking à droite. Il n'y a pas d'autre possibilité pour quelqu'un qui respecte la réglementation. Voilà, là, j'ai même une autre information. Il faut savoir que parfois, comme dit-on, que parfois les véhicules passent par le gymnase de la Lévrière, traversent le mail des mèches pour aller se garer en pied d'immeuble à l'Haie-aux-Moines. Sans qu'en pire que tout, ça, je ne l'avais pas vu arriver, celle-là, encore.
Ah ben oui, mais c'est vous voyez, l'avantage des liaisons d'être transmises, c'est qu'on a les réponses tout de suite. Bien, alors ceux qui sont favorables à l'adoption du rapport, le manifeste en levant la main. Bon, il y a unanimité. Monsieur Ellerard, le rapport suivant. Monsieur le maire, chers amis, chers collègues, donc ce rapport... Ton micro, Albert. Ouais. Ce rapport concerne les conventions d'entretien des espaces verts, résidence Villa du Parc, Créteil Habitat Sémique et lycée Saint-Exupéry. Par les délibérations, le conseil municipal, lors de la séance du 9 avril 2018, a autorisé la conclusion de conventions entre la commune et, respectivement, le lycée Saint-Exupéry, le syndic GISM, gérant de la copropriété Villa du Parc, pour l'entretien des espaces verts d'accompagnement de leur site, et Créteil Habitat Sémique pour l'entretien des plantes d'intérieur du siège. La commune a été sollicitée par ses partenaires pour poursuivre cet entretien. Afin d'assurer une cohérence avec l'entretien des espaces verts publics qui privilégient des techniques respectueuses de l'environnement, dans le cadre d'une gestion de développement durable, il est proposé de conclure avec chacun des gestionnaires des sites précédemment évoqués une nouvelle convention. Donc le lycée Saint-Exupéry de Henri Matisse, la superficie est de 9 286 m² pour un montant de 25 255 euros. Villa du Parc, syndic GISM, donc c'est plus de à peu près 500 m², plus précisément, pour 2 891 euros. Le siège, 7 rue des Écoles de Créteil Habitat Sémique, pour un montant de 2 785 euros. Le coût annuel d'entretien est revalorisé chaque année selon les conventions établies. La convention d'entretien est conclue pour une durée de 3 ans. Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant l'expiration de chaque année calendaire. Il vous est proposé d'approuver les conventions d'entretien des espaces verts à conclure avec le lycée Saint-Exupéry, le syndic GISM, Créteil Habitat Sémique, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tous les documents s'y rapportant. La commission a émis un avis favorable. Merci monsieur Lérard. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Le Guillou. Oui, simplement pour informer que je voterai l'ensemble des conventions, sauf à l'exception du lycée Saint-Exupéry, puisque je suis jugé parti. Pas de problème. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Abstentions. Le rapport est adopté. Le rapport suivant, Madame Garrigou-Vaucheron. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus, il s'agit d'adopter la convention entre la ville et le pôle santé Champval, convention relative à la coordination administrative du centre de vaccination. Je vous rappelle que grâce à la mobilisation remarquable des services de la ville, ce centre s'est monté en 8 jours après que l'Agence régionale de santé a autorisé son ouverture au 25 janvier. Que les agents communaux qui contribuent à son bon fonctionnement à Marie-Thérèse Eckem, comme les agents qui œuvrent à la cellule téléphonique d'accueil et d'information en mairie, soient remerciés pour leur engagement sans faille. Le centre de vaccination est porté conjointement par la ville et la communauté professionnelle territoriale de santé, qu'on appelle encore la CPTS unifiée des boucles de la Marne. La coordination médicale est assurée par le docteur Michel Mathieu et, comme je l'ai dit plus haut, le pôle santé Champval. Il s'agit du recrutement, de la rémunération des professionnels médicaux. Tiens, tiens.
Attends, non, là, ça a l'air de marcher. Ah ouais. Alors, je reprends. Recrutement, rémunération des professionnels médicaux, planification des vacations, gestion de l'abonnement Doctolib, permettant la mise en ligne des rendez-vous. La coordination médicale n'entre pas dans le champ de la convention qui vous est proposée. Cette convention porte donc uniquement sur les aspects de gestion administrative, notamment la planification des rendez-vous. En effet, l'ouverture du centre de la ville de Créteil a mobilisé de façon significative la coordinatrice du pôle santé pour mettre en place le dispositif de gestion, travail qu'elle poursuit aujourd'hui pour le fonctionnement quotidien du centre. Dans ces circonstances, il est proposé de participer à la prise en charge des coûts de coordination du centre en attribuant une subvention de fonctionnement exceptionnelle sur la base du temps consacré par la coordinatrice pour l'ouverture du centre, évaluée à 83h30 et d'un coût horaire fixé à 21,50 €. La subvention est donc de 1 795,25 €. On ouvre aussi la possibilité de verser un complément dans la limite d'un montant équivalent, de nouveau donc 1 795,25 €, en cas de besoin, au regard de l'évolution de la situation sanitaire ou des capacités vaccinales. Cette situation devra être constatée conjointement et faire l'objet d'un état récapitulatif des heures établi par le pôle santé Champval. Enfin, en cas d'absence de la coordinatrice, la ville pourra être amenée à participer à la réalisation de ses tâches administratives pour en assurer la continuité. Il vous est demandé de bien vouloir adopter la convention ci-jointe et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Attribuer à cette structure une subvention de fonctionnement d'un montant minimum de 1 795,25 € et maximum de 3 590,50 € sur présentation d'un état récapitulatif des heures réalisées. Ce rapport a été adopté à l'unanimité en commission. Merci. Même vote en séance. Le rapport est adopté. Le rapport suivant, Madame Borchin. Elle n'est pas là, Maïda. Voilà, ça y est. Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet l'attribution des bourses aux lauréats et du fonds de soutien à la créativité et au lancement de la nouvelle édition. Depuis 10 ans, la commune lance un appel à candidature à destination des Cristoliens intitulé « Créteil soutient la créativité » qui, depuis 2018, est plus particulièrement adressé aux jeunes de 16 à 25 ans. Le dispositif permet d'apporter une aide aux projets créatifs ou innovants dans les domaines des musiques actuelles, du théâtre, de la danse, des cultures urbaines, des arts numériques ou encore des pratiques culturelles émergentes. Outre le soutien financier par le biais d'une bourse, ce dispositif accompagne le jeune pendant toute la durée de la mise en œuvre de son projet afin de l'aider à le structurer et le développer. Il permet également de fédérer les ressources cristoliennes, notamment les équipements culturels et socioculturels, susceptibles d'intervenir dans l'accompagnement et l'accueil de ces porteurs de projets. Au regard des bilans de ces dernières années, l'accompagnement sera complété par la mise en place d'un parcours de formation pour les lauréats. Pour ce qui est de l'édition 2020-2021, le budget adopté ce jour a réservé une enveloppe à la hauteur de 7 000 €. 6 candidatures ont été sélectionnées au regard de l'originalité, la qualité de leur projet et leur ancrage territorial et de leur motivation et de leur porteur. Vous trouvez les détails en annexe. Comme chaque année, il est proposé de lancer l'appel à candidature pour l'édition 21-22, lors du Forum de la culture qui aura lieu le 5 septembre 2021. Par conséquent, il vous est proposé d'une part d'approuver le choix du comité de sélection et de répartir l'enveloppe telle que vous le voyez au lauréat, et d'autre part d'autoriser le lancement
de l'édition 2021-2022. Le rapport a été adopté à l'unanimité par la commission éducation. Merci. Pas de demande d'intervention. Le rapport est adopté à l'unanimité. Monsieur Jean-Philippe Bien. Monsieur le maire, chers collègues, le présent rapport a pour objet le dispositif de bourse d'aide pour la formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur BAFA. Le BAFA est une porte d'entrée vers les métiers de l'animation et représente une clé pour évoluer dans un premier parcours professionnel. Ce diplôme non professionnel, accessible dès 17 ans, prépare ainsi à l'exercice des fonctions d'animation en accueil collectif de mineurs. Dans le cadre de sa politique municipale en direction de la jeunesse, la ville de Créteil a déjà apporté son soutien aux jeunes cristoliens dans la préparation du BAFA. La crise sanitaire que nous subissons depuis plus d'un an a au niveau national mis en exergue la précarité, mais aussi et surtout les inégalités et les divisions parmi les jeunes. Aujourd'hui, ce sont plus de 800 000 jeunes qui se retrouvent sans emploi, ni formation, sans compter les jeunes qui ne retrouvent pas d'emploi, le marché du travail étant contraint, et c'est bien cela aussi qui est préoccupant aujourd'hui. Dans un contexte sanitaire et social, donc qui contraint les horizons de notre jeunesse, il est plus que jamais nécessaire de continuer de permettre plus largement l'accès à la formation et de redonner un cap à ces jeunes. Il vous est donc proposé de fixer le cadre d'intervention de la collectivité sur le dispositif d'aide pour le BAFA. L'accompagnement des jeunes dans la préparation de cette formation prendra donc la forme d'une aide financière afin que le coût ne soit pas un facteur limitant. Pour savoir, le coût total de cette formation peut aller jusqu'à 1 300 euros. Cette bourse d'un montant de 120 euros sera accessible aux cristoliennes et cristoliens âgés de 17 à 20 ans. La demande de bourse d'aide sera déposée auprès du Bureau d'information jeunesse, le BIJ, dès la préinscription auprès d'un organisme habilité par l'État et conventionné avec la ville. À ce titre, chers collègues, il vous est donc proposé d'approuver le principe d'attribution d'une bourse de 120 euros aux jeunes cristoliens passant le BAFA, d'approuver les modalités de conventionnement avec les organismes de formation, d'approuver la conclusion de la convention type qui sera signée avec les organismes, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions. Avis favorable à l'unanimité en commission. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Le rapport est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions diverses ? Pas de questions diverses ? La séance est levée. Bonne soirée, plutôt bonne nuit à toutes et à tous.